Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau live. Oh là là, un petit air solennel. Ouais, bref, t'as compris. Comme le jugement, en fait, il est solennel. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, on vous entend pas, les gars. Vous pouvez raconter votre vie entre vous si vous voulez. Mais bonjour le chat. Bienvenue sur ce nouveau live. Live entraînement. Aïe, je me suis fait mal, déjà ça commence mal. Live entraînement pour le tournoi Yu-Gi-Oh! Demain, le WCQ Lille, voilà, qui se passera demain, notamment commenté sur la chaîne de Konami. Voilà, premier tournoi de l'année pour moi, vous le savez, pour ceux qui ont suivi
Hier, vous étiez plutôt nombreux à suivre la chaîne sur cet entraînement. Ça fait plutôt plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais vous débute. Ah, les gars, qu'est-ce qui se passe? Parce que Quentin, il me parle, mais je l'entends pas. Elle se pète la gueule, la display sur le... Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est juste vrai. Pour ça. Les displays dans le décor aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné des copains, joueur 1 et joueur 2. Comment ça va? Bonsoir, 1 et joueur 2. Il s'est redressé direct, Antoine. Bonjour. Il s'est redressé direct. Oh, sponsor Master Duel ici. Sponsor Master Duel aujourd'hui, demain. Donc, je vais bien sûr mettre vos blazes, les gars. On a normalement Antoine, ou plutôt Adias. Normalement. Je mets Antoine ou Adias? Non, Antoine. Mais oh putain, oh là là, il a gagné en simplicité. C'est un homme du peuple. Les gens, ils vont encore lire dans le chat Adidas, ils vont péter un câble. Adidas 59. Comment ça va, les gars? Vous étiez là hier avec moi notamment. Merci d'être encore là aujourd'hui pour. Moi, on m'a dit qu'il y avait de la galette, du coup, je suis venu. Ça va, c'est bénef, c'est toi qui ramènes la galette et tu reviens parce qu'il y a encore des restes de galette. Faut bien qu'ils finissent ta galette quand même. C'est vrai, on a mangé une spécialité du Nord hier, une galette au beurre. Ouais. Crème beurrée, ouais. Vince, il n'y a pas kiffé. Non, il n'y a pas kiffé. Il a dit non, on crème au beurre, c'était vraiment trop beurre. Et j'ai pris la galette la moins beurrée, je pense, des galettes crème au beurre. Ouais. C'est la plus légère qu'on peut avoir. La plus légère qu'on peut avoir. Bah, en vrai, moi, je l'ai trouvé très très bonne. Le chat, est-ce que vous avez déjà goûté des galettes au beurre? Voilà. Dites-nous dans l'espace commentaire. Enfin, dans le chat, j'ai vraiment 48 ans aujourd'hui. Hein. Merci, Bouffe Balman, pour le sub. Et Core, le VGB, pour le Prime. Merci, merci à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là hier, qui sont de nouveau là aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier? Dites-moi un petit peu dans le chat pour voir un petit peu à qui on a affaire aujourd'hui. Dans le chat. Tiens, QC, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un WSQ? Alors, un WSQ, c'est un World Championship Qualifier. Là, pour le coup, c'est un régional. Ok. Donc, ce qui veut dire que les 8 premiers, il me semble, repartiront avec un tapis. Les 4 premiers, en plus, une deckbox de régional. D'accord. Mais le plus important, ce sont des points à récupérer pour se qualifier pour le championnat d'Europe. Ouais, ouais, et moi, c'est absolument mon objectif. En fait, là, je suis 22e à la dernière mise à jour sur la course au point et, pour les Worlds. Et du coup, il faut absolument demain que je chope des points si je veux rester dans le peloton de tête, quoi, si je peux oui, dire. Quoi, totalement, pour totalement. Pas me faire distancer. Quoi. Donc, c'est vraiment impératif de faire une grosse perf demain. Donc vraiment, voilà, je m'entraîne depuis des semaines et des semaines. Avec ton donc, super deck Obélisque Chat, c'est ça, je crois. Exactement. Qui se fait scout par l'entièreté de la communauté. Exactement. Mais c'est vrai, c'est un peu dur, mais tant pis, j'assume mon statut de favori. Et c'est pas grave, quoi, c'est la vie. Merci Kasperikov. Pour le Prime, merci beaucoup. Le chat, on est d'accord. Il faut absolument que je gagne des points demain pour la course au World. Mais toi, t'es pas loin, Antoine, non? Sur cette course... 23e. T'es 23e. Je suis derrière toi, Zou. Après, je préfère être derrière toi que devant toi. Mais Ok. Maléfique. Ok, on commence. C'est les points en rien, on est d'accord. Un Prince, vraiment, là-dessus... Par contre, il y a un truc que t'as pas dit, c'est qu'il y a des places pour l'Europe. Si, je l'ai dit. Si. Ouais. Ah ouais, points, mais pas les places. Il y a des points, mais en gros, on prend le nombre de joueurs. 180 personnes sont prévues pour demain. On divise par 8. Et ça fait le nombre de places disponibles pour se qualifier pour le championnat d'Europe. Mais il n'y a plus de report. Il n'y a plus de report. Donc c'est vraiment avant. Strictement 190 par 8. Avant, il y avait des reports. C'était easy de se qualifier. Maintenant, ouais. Maintenant il faut le mériter. Il y a Vince dans le chat. Salut à toi, Vince, qui commentera demain le WSQ sur la chaîne de Konami FR, qui était là hier avec nous pour s'entraîner. Et du coup, réponse à la question de Fil de Fer qui m'a dit « Tu streams le tournoi demain ?» Non, c'est stream sur la chaîne de Konami FR par Vince. Voilà. Et à partir de, je crois, 10h. Comment le tournoi commence à quelle heure? 10h. 10h. Ok. Du coup, j'ai vérifié. En gros, c'est les 22 premiers qui se qualifieront pour l'Europe. Bah écoute, moi, je suis 22e au point pour les Worlds. Je suis donc, désolé, Antoine, tu ne pourras pas te qualifier. C'est vrai que... Merci à la communauté de Horus Mod qui viennent de rejoindre le live. Bienvenue à vous. On va s'entraîner, se bastonner, se préparer pour le WSQ de demain. Voilà. On a déjà fait ça hier. C'était plutôt cool. Donc, on remet ça. Petite previously sur ce qui s'est passé hier. Hier, comme prévu, j'étais là en mode, bon, bah voilà, il faut que je trouve un deck. J'ai d'abord testé Centurion dans une version à 4 engines que j'ai affectionné beaucoup.
Et en fait, je sais pas, je l'ai pas senti. T'as fait combien de games hier avec ce deck? Pas beaucoup, hein. J'ai fait 2 BO3. Je l'ai même pas affronté. Plus un BO3 que j'avais fait avec toi au mois de décembre. Donc en tout, j'ai fait 3 BO3 avec le deck, ce qui est assez peu. Mais c'est justement aussi ça qui me refroidit en mode... Bon, je l'ai pas train, j'ai pas des habitudes, des automatismes. Tu vois, hier, je suis en train de relire toutes les cartes, ouais, machin et tout. C'est pas confort. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je prenne un pic de confort pour demain, parce que déjà... je suis pas habitué face à pas mal de decks, notamment Fire King, etc. Donc si je connais pas trop le deck adverse, que je connais pas encore trop mon deck, on commence à accumuler du coup les retards et du coup ça devient compliqué. Donc merci au Rusmod pour le sub. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de repartir sur un pic de confort. Et ce pic de confort, je me suis dit, est-ce que ça peut pas être Toonburn? Bon, je sais que ce deck n'existe pas, je sais que c'est la vanne, je me suis dit, vas-y, ok, encore une fois, je me prends trop tard pour m'entraîner pour un tournoi, est-ce qu'on irait pas là-bas pour s'amuser, tu vois, et pour passer un bon moment? Du coup, je me suis dit, c'est simple, je vais tester de jouer contre Fire King, parce que à mon avis, ça va être l'un des decks, ou voire le deck le plus représenté demain, et je me dis, si mon Toonburn est ok contre Fire King, vas-y, viens, on le teste. Je me suis toujours dit, vas-y, Toonburn, c'est marrant, sur Master Duel, c'est du BO1. Viens, une fois, je le teste en BO3 pour voir ce que ça donne, etc. J'ai testé contre Fire King. Bon, je vois pas trop de... je vois pas trop de fenêtres de tir. Ah, en fait, t'as besoin que Fire King... t'as besoin d'affronter un deck qui a un board pour utiliser ce board contre lui. Mais Fire King, son board final, il est pas fou, en fait. Exactement. C'est juste les interactions qu'il va faire. Exactement, exactement. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, on laisse tomber... On laisse tomber Toonburn. Qu'est-ce qu'il me reste comme deck, quoi? Qu'est-ce qu'il me reste dans... Après, j'ai pas mal de decks de dispo chez moi, mais en même temps, on va revenir à la problématique du premier deck qui est de... admettons, si je me dis, vas-y, je me mets sur Rescue Ace parce que j'ai de quoi faire le deck, on va revenir au fait que je connais pas le deck, je vais relire les cartes, je vais machin et tout. Et donc, on s'est posé la question, et je crois que c'est le chat ou Vince qui ont sorti la propale en mode... rejoue ton deck du championnat de France, rejoue Sprite. Et j'ai fait, j'avoue, vas-y, essayons. Je crois que Samir, il a proposé une liste sur Twitter il y a quelques jours. Allez, on y va. Bon, il n'y a pas de miracle, hein, mais au moins ça, je me sens un peu plus à l'aise. Il y a encore quand même 2-3 combos que je dois réviser aujourd'hui, notamment tout ce qui est Melfi, où c'est assez loin dans ma tête et machin. Mais... on va dire que 80% des cartes du deck, je suis à l'aise. Et voilà, il me reste à réviser 2-3 cartes. Et puis, ça va le faire. Donc, je pense que ça va être mon pick pour demain. Merci, Abomine Affreux, pour ton 33e mois. Oh, purée, merci, mon prince. Merci à toi. Deck Harpie, deck Obélisque. Bof. En vrai, j'aimerais... le deck que je kiffe le plus de jouer en ce moment, et de loin, de très très loin, c'est le Shadow Obélisque. Mais bon... déjà que en tournoi boutique, c'est compliqué. Alors bon, en régio, même si le niveau est juste un cran au-dessus, mais je me suis dit, vas-y, viens, on va quand même essayer de jouer avec... Tu t'amuses aussi, quoi. Si tu prends un deck et que tu joues pas... Salut, Zozouche. Ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est ça. C'est si tu... En fait, je l'ai déjà vécu, prendre un deck Sliffer, un deck Rat, machin, et puis finir dernier alors qu'il y a des mecs... il y a un mec qui est pas venu dans le tournoi et qui finit devant moi. Bon, t'es là en mode, j'ai envie de disparaître, quoi, tu vois. Donc non, je vais pas faire de dinguerie. Je vais essayer de rester sur des trucs que je connais à peu près. Il y avait le col Labyrinthe qui avait été proposé dans le chat. Mais bon, Labyrinthe, je me suis entraîné pour le championnat de France avec. Au final, j'ai pas trop kiffé. Ah, fun aussi. Je pense que je peux potentiellement essayer de donner une seconde vie à ce deck, une seconde chance. Mais bon, pas là, pas en un jour, pas comme ça, quoi. Pas Zinedine, pas comme ça, quoi. Genre vraiment en mode. Après tout ce que tu as fait. T'as ton rollback, on a bien compris. Je vais sortir du Sliffer FTK. Tout le monde va voir flou. Bref, les gars, je vous propose de commencer l'entraînement. Hop. Avec la première opposition. Du coup, QC contre Antoine. Et puis, moi, ça va me permettre de réviser un petit peu les cartes. Surtout et j'ai besoin de m'entraîner pour demain, quoi. Ah ouais, toi, tu participes pas, toi, tu sais. Je participe pas. Tu judges. Je suis à l'orga. Oh là là. Bon, en tout cas, si vous passez au WSQ Lille demain, vous pouvez aller faire un petit big up à QC. Et si vous lui donnez 20 euros, il vous rajoute un point à votre... Non, pas du tout. De façon générale, ça se négocie. Ah, ça se négocie. Ça se négocie. Je prends 5% de commission, mon ami. Parce que voilà, c'est ma chaîne quand même. Bref. On y va. Vous avez le timer devant vous. À skip.
C'est bien 10. Ah ouais, pas mal. 10, c'est pas mal, mais c'est moins bien que... Bah là, si il aurait fait moins que 4, il l'aurait repris, il l'aurait lancé. C'est sûr, je sais pas de quoi tu parles. Allez, let's go. Bonne chance. Bonne chance. Let's go. Ok. Bah bien, hein. Coup dur pour Matmec. Ah oui, bah, moi, je voulais jouer Matmec. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est clair. Alors, on commence par une petite Wanted. Wanted, t'as vendu un rein pour... Deux. Pour la récupérer Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pris 3 boosters, j'ai eu les 3. Wanted, c'est un truc à t'embrouiller avec ta meuf, ça. Stand by main. Vas-y. Je dis vas-y comme si je jouais contre lui, sûrement. D'activer, je veux dire. Ouais, vas-y. Moi, je vais essayer de relire les cartes. Tu actives le terrain du deck, c'est ouais. Ça okay. Oh, hésite pas à rappeler les effets. Ok, ça marche. Si je le trouve. C'est un bénéfique pour tout le monde, surtout pour Zul. Bah c'est bien, c'est aussi à ça que ça sert. Quoi. Tout. Donc le terrain qui est activé, le terrain qui est une des cartes centrales du deck, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il peut tuto avec le terrain et si le terrain est détruit, il doit détruire ses monstres. Je dirais fait terrain. Vas-y. Fait un fire pour ajouter. Enfin, je peux être un monstre, mais si c'est un fire, c'est mieux. Bah alors, on a deux H-Blossom. Ah. Ça, c'est la negate de monstre. Ouais. Et du coup, en résolution, vu que j'ai pété un fire, je peux dire fait Garunix pour le spé. Ouais. Je veux dire fait pour péter du deck. Hein. Vas-y. Enfin, péter du deck, c'est vraiment pas un effet... Enfin, c'est main, terrain ou deck. Mais en général, c'est mieux. C'est vrai que c'est pas conventionnel, ça détruit depuis le deck. Ouais. Ça, tu tuto en stand-by. Ouais. Le Barong, c'est ça? Ouais. Ouais, je crois que tu fais un bot avant. Yeah, bah, juste là. Je vais spé en défense et je dirai fait. Ouais. Ça va, on ne se refuse rien, monsieur Antoine. Putain, il a un pot de prospect en... On parle pas de quarter, on parle d'une Starlight, là. Hein. Mais c'est le tien, non? Ou c'est non, le mien? Le mien me l'a rendu. Ah, c'est le mien? c'est mon pot de prospect en Starlight qui joue? Ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est Louis. Hein. Je lui demande des prospects, il me fait tiens, des Starlight. Je n'ai trop. Des Starlight, n'importe quoi. Déjà, j'en ai qu'une. J'en ai deux. Allez, j'ai perdu une occasion de me taire, putain. J'ai perdu une occasion de me taire. Pour ça, pendant. Oh, vas-y, ça passe. Pendant quoi? Un mois, deux mois, il a joué avec trois prospects Starlight, tranquille. Il fait Ponyx pour tuto Magipiage. Ouais. Est-ce que je suis chaud pour demain? En vrai, franchement, j'y vais sans trop avoir d'attente, mais juste. Il faut que je fasse mon premier tournoi cette année et puis faut bien commencer quoi. Je vais normal Vatar. Ouais. On est d'accord que la loupe de base Fire King, elle te fait finir avec. Enfin, comment dire, pendant la stand-by adverse, tu récupères deux monstres en main, c'est ça? En théorie, Ponyx, c'est. Ouais. Et si t'envoyais Barong, en général, c'est qu'il va essayer de chercher Kirin et s'il a déjà Kirin, il va prendre autre chose. Ok. C'est compliqué d'anticiper Fire King en fait. Mais Ponyx, il a pas d'effet dans la main pendant le tour adverse. Voilà. Ponyx, si, il a un effet, pas dans le cimetière, mais dans la main. Si je pète un fire, si un fire est pété, je peux le spé. D'accord. Okay. Donc même durant le tour adverse, je peux le spé, effet, tuto. Ok. C'est bien, j'apprends Fire King en même temps. Quoi. Je vais dire... fin de tour. Faut pas avoir de pression. Allez, bon, je pioche call by et on est bon. Zul, tu t'es fixé sur un deck du coup? Ouais, normalement, c'est pareil. Effet Barong. Effet oui, il n'y a que Baron vu que Ponyx est sur le terrain. Exactement. Oh, j'aurais été content d'avoir Callboy. Oui. Main. Ouais. Comment ça se fait que t'as pas réussi à envoyer... T'as tuto Kirin, c'est ça? Ouais. Kirin, une inconnue. Parce que j'ai magie. Pas Ponyx en main de départ et qu'en fait que je voulais jouer au tour de drôle, c'est pour ça que j'ai commencé avec Lille. Le plus important pour moi, c'est d'avoir Karunix soit au terrain, soit dans le cimetière. Et si je commençais par des plays Diable Star... Qu'est-ce ça peut être compliqué. Qu'est-ce qui t'a fait jouer Kirin? Ouais. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui t'a fait jouer Fire King? Ça a été quoi le truc le un peu déclencheur dans ta réflexion? Tout est parti du structure deck, en fait. Bon, je savais que ça allait être méta, tout ça, mais voilà, je m'intéressais sans plus. Et en fait, quand j'ai acheté les trois structures que je trouvais intéressantes pour jouer, rien qu'avec le structure, en fait, à l'assaut, je faisais déjà des dingues. Donc je me dis... Et le jeu, il était plutôt sympa. C'est pas... Je suis pas trop fan des...
des jeux qui vont se jouer auto, c'est en mode je mets un board et puis tu peux pas le remonter. Là, je trouve que le deck, il a beaucoup d'interactions, que genre mon board final, c'est au mieux, ça va être ça, et la majeure partie des cas, c'est ça, quoi. D'accord. Donc, après, c'est avant le support, évidemment, selon les mains, tout ça, mais... En fait, il y a beaucoup d'interactions, c'est ça qui me plaît dans le deck, en fait. Je vais répondre à deux questions en même temps. La première qui est Zul, est-ce que t'as essayé Fire King ? Et la deuxième, je sais plus, c'était un truc du genre... Est-ce que c'est une bonne option de jouer Fire King ou je sais pas quoi. Cette année, je pense vraiment que c'est l'année de Fire King. Je pense vraiment que c'est l'année des decks feu comme Rescue et Fire King. Donc pour moi, s'il y a un deck sur lequel faut se mettre cette année, c'est Fire King quoi. Ça me paraît être un bon investissement, pas trop cher en plus. Vous pouvez trouver des alternatives à moins de 100€ pour un deck compétitif. Vas-y. Et c'est un deck qui va continuer d'évoluer cette année. Et qui pourra vous faire progresser, quoi. Donc, ouais, il y a énormément de support feu, quoi. Alors, une kit jouée par QC. Yes, j'ai changé de deck. Il y a des gens dans le chat qui l'avaient déjà deviné rien qu'à la couleur des styles. C'est impressionnant. Ah, mais... Ils sont forts. C'est ouf, hein. Ils sont énervés. Moi, ce qui me choquait, c'est à l'époque de Club Yu-Gi-Oh! Vraiment, on sortait les decks de nos boîtes. Les gens étaient en mode, ok, c'est ça contre ça, quoi. Et t'es là en mode, oh frère, t'es chaud quand même. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Bah, si, il y a un petit peu de complexité, mais en fait, même si vous achetez le deck, que vous le jouez, et non, que vous décidez de changer de deck, c'est ultra utile de jouer un petit peu le deck Fire King, quoi. Parce que le jouer, c'est apprendre à le contrer, quoi. Donc même si vous changez de deck dans la saison, c'est trop trop intéressant de l'avoir déjà joué quoi. Moi je sais que cette saison, avant le championnat de France, il faut que j'ai joué au moins Fire King plusieurs fois quoi. Pour moi ça me paraît être un passage obligé si tu veux faire de la compétition cette année quoi. Jouer plusieurs types de decks c'est toujours utile. Bah, jouer tous les decks méta c'est utile de base quoi. Parce que bon, quand tu rencontres pour la première fois une carte, des interactions et des combos, dans le, peu importe le deck, dans un match compétitif, bah t'es pas à l'aise quoi. T'es jamais sûr de comment ça se résout, machin et tout. C'est pas facile quoi. Donc, on est toujours autour de Quentin. C'était quoi la dernière interaction là ? J'avais fait ouverture du marqué des fossés tragédie pour spé un Alubert. Ouais. Et du coup, la chaîne, c'était je déclare tragédie pour tuto un Despia. Et chaîne 2, Alubert pour tuto une magie piège marquée. Ok. Qui s'est pris Arvata. Ok. Arvata qui est du coup la Negate. En détruisant un autre Fire. J'ai du trigger unique, comme ça il est aussi, mais il peut se spé pour que ses effets. C'est pas mal. C'était surtout ça qui Et Garunix qui a la capacité de se spé. Dès qu'un Fire est pété. Dès qu'un Fire est pété. Ok. Au combat ou par effet de carte. Ouais. C'est intéressant. Mais si c'est envoyé au Sincher, ça procure. Non, faut que ça soit détruit, exactement. Et si ça se prend un Keiju, c'est compté comme détruit. Non, non. C'est sacrifié, on est d'accord. Ouais. Ok. Peut-être. Pour mon deck Toonbird, non, je veux. Sauf quand tu résous Skill Drain. De quoi tu parles ? Ouais, vas-y. Je ne sais pas suivi. Alors, PTT. Et c'est une bête d'idée. Bisous, Zouzouche. Moi, j'ai des monstres, tu la prends en main, c'est ça. Est-ce que tu vas refaire mission CDF cette année ? C'est pas sûr, mais c'est une possibilité, ouais. En tout cas, participer au WSQ Lille et m'entraîner avant ce WSQ, c'est une anticipation du CDF, quoi. En gros, j'ai pas fait ça cette année. J'ai pas fait ça l'an passé et je me suis dit, bah ouais, j'arrive au mois de mars, j'ai pas encore joué, c'est compliqué quoi. Yu-Gi-Oh! N'aurait-il jamais été aussi compliqué qu'actuellement ? C'est possible. C'est possible. Alors, PTT qui va chercher TTT du coup ?
pas qui fait la meilleure carte du jeu. C'était sûr. Ouh. Que tu l'avais en main. Ah, pour déclarer mes chaînes comme ça. Oui, oui. Vas-y. La petite fusion du marqué en ulti, s'il vous plaît. Ultimate, en ulti, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut zoomer dessus. Hein. Oui, 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 on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. Ah. Super chrono. Super chrono. Petite fusion du marqué, les amis. Dans le deck de QC, ça brille. Hein. C'est comme le deck de Vince. Apparemment, ils ont des points communs. C'est que ça brille très, très fort. Bon, comment on fait pour éviter Dragon? T'es content de tes résultats à la salle? Et lui, c'est un invoque, son effet. Ouais. En vrai, quand tu regardes les clubs Yu-Gi-Oh! À l'époque, il y a un vrai step-up, bravo Zul. Qu'est-ce que... Tu parles de la salle de sport? Tu peux fusionner en bannissement cimetière, ça. Avec lui. Alors lui, c'est fusion en bannissant depuis main terrain cimetière. Ouais. Donc quoi que je fasse... Out. Donc on va se prendre un Dragon. C'est l'idée. En vrai, je suis content pour parler rapidement de Vas-y. Du fait que j'ai repris le sport depuis le mois d'octobre avec un coach sportif et tout. Ça va doucement, mais ça va progressivement. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que j'ai pas perdu 5 kilos le premier mois, mais petit à petit, je sens les résultats et je sens que ça a l'intérêt de faire ce que je fais, quoi. Le fameux Dragoon, mon ami. Ouais. Attends, il est là, pas Starlight, celui-là? C'est compliqué. Bah, j'ai oublié de le ramener. Non. Il a oublié de ramener son Dragoon Starlight. Je vous montrerai une autre pépite en Starlight, peut-être, après. Oh. Grand Prince. Grand Prince, j'avoue. Excuse-moi. Excuse-moi, qui c'est? T'as un Dragoon, quelle carte de dingue, quoi. Ouais. Non, mais la pression directe, hein. Surtout en second. Une de mes cartes préférées de tout Yu-Gi-Oh! Regardez ta main. Je veux voir ma main. Bien sûr. Bah, je vais Shen Carry. J'imagine. Je réfléchis. Alors, sa chaîne, du coup, le fameux Kirin. Qui dit: durant la même phase, si cette carte est dans votre main et fait rapide, vous pouvez détruire un autre monstre feu dans votre main ou terrain face recto. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Ce qui aura la particularité de proc. Garonix dans le Sincher. SP. Je réfléchis. Préféré pour le design ou l'effet? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, j'aime bien les deux. Alors, Kirin qui se spé, qui détruit du coup Ponyx. TTT qui se résout. Résolution? Ouais. Effet Garonix au Sincher. Pour ce reborn. Yes, sir. Ok, spécialement cette carte depuis le cimetière. Si un ou plusieurs monstres feu qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat ou par effet. Ok. Et si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez détruire un monstre feu bête, bête guerrier ou bête ailée depuis votre main, deck ou terrain face recto. Et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre détruit qu'il avait jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Ah, et le but, c'était de détruire Kirin avant de te faire negate par Dragoon, c'est ça? Pardon? De quoi? Ah, pour... Ouais. Alors, excuse-moi, je refais l'interaction. T'as tenté d'invoquer... En gros, il m'a fait TTT. Donc, à partir du moment où je suis obligé de révéler ma main, c'est sûr que Kirin, il va dégager. Donc, je suis obligé de chain Kirin pour le mettre sur le board, d'avoir une interaction en plus. Parce ok. Kirin, si je le pète, je peux reborner un PTR. D'accord. Donc, on est d'accord que le but, c'était de spé Garonix. Garonix... Ah là, oui. Pète ouais, ouais. Kirin et Kirin pète 1. Ouais. On est d'accord. Bientôt un Fire King Harpy. Ouais, bof. Pour moi, je reste à 3000. Comment? Je veux dire, j'ai pas le boost 2000 de Dragoon. J'ai pas détruit. En ce moment, il est au grave. D'accord. Ça va être chiant, pas seul. Ça. T'as une en main. 1008 et 2004. Ouais. Oui, Kers, c'est clairement Fire King. Hein. S'il faut acheter un deck pour revenir dans le jeu,
C'est Fire King. Il va évoluer cette année. Il va devenir de plus en plus fort. Il l'est déjà extrêmement. Battle. Battle, ok. Alors, ça veut taper avec le Dragoon. Et on hésite d'activer. Ouais, ça marche. Je vais prendre 600 Zul et je vais dire Fekirin. Alors, ouais. C'est Fegar unique, c'est Fegar unique. Le Foolish. Ah, détruit du deck. Lui peut être pété, hein. Oui, je suis sûr. C'est lui en plus. Sur le spé, c'est résolution Kirin. Spé Garu et pété. Ouais, ça marche. Alors attends, pour être sûr de ce qui se passe. Ouais. Donc il a battle ton Kirin. Kirin, quand il est détruit, il peut péter 1. Quand il est détruit, je peux invoquer spécialement du cimetière ou de la main et péter 1 sans target. Je d'accord. Target ni ce que je spé, ni ce que je pète. D'accord. Et donc là, t'as. Et du coup, j'ai remis Garunix et j'ai pété une carte. D'accord. Donc, t'as pas invoqué Garunix avec son propre effet. Non. D'accord. Et c'est ça qui est important. C'est ça, ouais. Et pour moi, Quentin, il a fait une erreur à negate l'effet du sim et de negate l'effet du terrain. Alors, l'effet du terrain de Garunix. Ah, ok. J'aurais dû me le laisser spé et faire effet okay. Dragon Lair. Ouais, effectivement. Là, je dois envoyer une carte. Il a 1007. Donc là, en termes de battle, je suis plutôt bien. Oui. Excuse-moi, j'interviens parce qu'en vrai, je trouve les interactions super intéressantes. Quand tu dis qu'il a negate l'effet de Garunix quand tu l'as proc au Sincher ouais. pour le respé, toi tu dis qu'il aurait dû te laisser l'invoquer. Ouais. Parce que j'ai d'autres manières de l'invoquer. Tandis que son effet sur le terrain, il n'y a que lui qui peut le faire. Ok. En fait, il y avait le play. Et Kirin, c'est quel effet du terrain, c'est de gagner de l'attaque ? De péter du deck. Du deck et gagner de l'attaque. Ouais. Ah, il peut. Ah, il détruit du deck. Depuis votre main deck ou terrain. Ah, ok. Ok. Ok, ok, je comprends. Je vais envoyer Arvata. Et du coup, je vais dire effet Arvata. Pour ça, va, et ça va target. Ça va reborn un autre. Ouais. J'ai encore mon effet. Non, j'ai plus. Je vais reborn Baron. Ok. C'est bon. Avec quel effet ? En gros, avec Kirin, du coup, j'ai détruit Arvata depuis le deck. Et Arvata, quand il est détruit, je peux reborn un autre Fire King, j'ai reborn Barung, mais il sera détruit en mind phase. D'accord. Il y a quelque chose si je le pète à la battle ou pas ? Ouais, ma standby, je tuto. Non, pas à la battle. Target. Qu'est-ce qu'on fait, un, deux ? Alors, brûlure, cibler un nombre égal de monstres. Ouais, on va. Lui, si je le pète, roi du là, feu. Comme ça. Non, ou roi du feu que vous contrôlez. Donc tu cibles un nombre équivalent de monstres roi du feu que tu contrôles et de cartes contrôlées par votre adversaire et tu les détruis. Ouais. Donc là tu peux, si t'en as envie, détruire trois de tes monstres pour détruire trois ouais, de trois des ouais. Ouf, c'est donc ça. Vas-y. Ok. Et donc là, on va faire un gardien chimère. Certainement. Du côté de QC. Nouvelle chaîne. Ouais. Droit 1 détruit 2. Chaîne 2 pour Reborn. Vas-y. Donc là, QC, t'as utilisé les targets qu'il voulait détruire pour faire ton gardien chimère. C'est ça, j'ai utilisé une des targets qu'il voulait détruire et j'en ai profité. J'ai pris Albert vu qu'il était en défense pour faire un petit gardien chimère, quoi. Du coup, je draw 1. Et je détruis 2. Parce que je pète les deux monstres. Sachant que lui, il ne peut pas taper directement. Parce qu'il a été fait avec Brandaline Red. Ouais. Ok. Donc c'est pas fou. Toi, t'as pris combien ? T'as combien de points de vie ? 7004, ok. Avec Dragoon sur Kane que j'ai pris. Okay. En résolution, je vais bannir celle-là à la place. Ok. Alors ça, ça permet de protéger un peu comme... Comme Bailings. Comme Bailings. Si en plusieurs cartes 3 du feu que vous contrôlez vont être détruits par effet de carte, j'ai envoyé Arvata, il a 900 en plus, il est à 3006. 3006, je suis à 3003. Ouais.
200 005. Main 2. Ouais. Alors attends, ça dit il peut utiliser un des deux effets par tour. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet par tour et uniquement fois par tour. Donc ça et ça. Ok. Merci chat. Donc il y aura plus que 1005 du coup. Tu peux rajouter le deuxième du coup, 2005. Je rajoute 2005 ? Ouais. De Aldo. Ouais mais il y avait eu 1005 de dégâts mais... Non c'est bon, rajoute 2005. En gros ça revient au même, il tape lock, okay, il tape direct. Parce que je voulais péter le gros et ça continue. Salut Zoul. T'as rien en main. Est-ce qu'on peut spec demain à Lille ? QC, est-ce que tu sais si on peut venir spec ou... J'ai envie de dire non. C'est lui qui a envie. Et je suis pas sûr de l'info. En fait, c'est pas nous qui organisons, donc c'est dur. Après, QC fait partie du staff, mais... Je sais que dans tous les cas, vous pouvez passer l'après-midi parce qu'il y a des public events de prévu. Ah, d'accord, ok. Mais le matin, je ne suis pas sûr. Ok. On est d'accord, t'as pas tapé avec le gardien chimère. Si. J'ai tapé sur le petit mob. Ah, il peut pas taper directement. Il peut pas taper directement, mais je peux taper seulement. Ok. Et du coup, les 2005 viennent d'Albion, qui était Riband. Du coup, si je comprends bien, en stand-by, t'as ça. J'ai Barong. Ponyx. Et Ponyx. Ponyx pour se reprendre. Et Barong pour tuto. Ok. Alors. Main phase 2. Ouais. À toi. S'il te plaît. Ok, Barong, c'est vraiment la carte qui te fait tuto. Hein. On est d'accord. Standby effet Ponyx. Ouais. Effet Barong. Ouais. En fait, tous les tours, tu récupères avec Barong et Ponyx de cartes en standby, quoi. Faut qu'ils aient été détruits pendant le tour précédent. Ouais, mais bon, ça arrive souvent, quoi. Ouais. Le but, c'est de les faire proc, quoi. Je rentre en main. Ouais. Je vais invoquer normalement Arvata. Je vais dire effet terrain. Ah, normalement. Au cimetière, je vais dire effet Garun. Pour le spé. T'as tuto quoi ? J'ai tuto Kirin. Je dirais fait Garunix, détruire du deck. Réfléchis. On est d'accord. Oh, je connais Kirin et l'autre c'est une inconnue. Ouais, je vais piocher ce tour-ci. Putain, si c'est un fire. On va le tenter, hein. Ok, negate de Dragoon du coup. Je tente. Sur l'effet de quoi ? Ça le negate et détruit, non ? À voir s'il a. Je dirais fait. Arvata. Je ferai Arvata. Ok. Kirin, d'accord. Je suis en. De Garu. Donc t'as envoyé Kirin. Chiant de ouf. Parce que le 500 d'attaque il ne fait pas passer au-dessus, donc en fait j'ai obligé d'envoyer un deuxième Kirin. Ah peut-être lui. Ouais, au fait, ta magie, elle est pas bannie. Hein, vu que tu pouvais pas faire le deuxième effet. Merci. Du coup j'ai envoyé Bengali pour gagner la moitié de l'attaque, donc je gagne 800 en plus. Résolution effet Kirin. Pour Reborn et Pétain. C'est des grosses patates. 2005, 3000, 3000. Ouais. Il faut que je mette un 2005, c'est compliqué. Est-ce qu'avec Garunix, tu peux envoyer Garunix depuis le cimetière ? Je pense pas. Non. Je crois qu'on l'a vers lui, il peut pas.
Je vais mettre Bengali. Exactement, Garonix exclu. Hein. Donc en gros, tu peux gagner au maximum 1200 d'attaque en plus en envoyant Kirin, quoi. C'est ça. C'est lequel qui est au milieu là? C'est Bengali, c'est une Bengali. De magie piège lui. Avec la même mécanique que Arvata? Ouais, exactement. Sauf que lui, quand il est pété, il n'y a rien. Mais il peut se péter de la main, contrairement à Arvata. Ok. Il peut jouer Bengali, en vrai. Bengali, pardon. C'est pas jusqu'à la fin du tour que tu protèges. T'as rien qui protège à la battle? Non. Donc le dragon, il sera géré. Ouais. Battle. Ouais. Garunix sur dragon. Je prends combien? On avait dit que j'avais 800 en plus. Ça me fait 3500. Je prends 500. Ok, je vais dire main phase 2. Ouais, ouais. Top deck. Lui, il peut le faire une fois par tour, son effet de fusion. C'est que quand il a invoqué. Ah, c'est ouf, la récursivité du deck. Oh, Typhon. Oh quoi, The Century. Ah ouais, excuse-moi. Je vais envoyer... la chimère. Au grave, extra ouais. Avec dans la main. Not bad. Putain, elle est belle, hein. Sa vie, hein. Sa vie. Sa vie, hein. Et une phase. On voit pas souvent la X6. Tu parles de la X6 du deck, celle-là? Ouais, ouais. Ça dépend contre les decks, en fait. Ok. Et donc là, Typhon... Ouais. Donc vu que ton adversaire a invoqué spécialement minimum 2 monstres depuis l'extra deck, tu peux invoquer cette X6 en utilisant machin. Si vous le faites, vous ne pouvez pas invoquer normalement ni spécialement 2 monstres le reste de ce tour. Phonix inconnu, celle que j'ai draw. Ok. Dégage 2 monstres. 2 magie piège. Magie piège. Ouais. Et les 2, je dois péter un fire. Dégage d'activation ou d'effet? Activation. Activation. Bah les 2 en fait. Non, activation seulement. Alors, pour être sûr, le Typhon. Ouais. C'est. Aucun joueur ne peut activer des effets de monstre. De plus de 3000. De plus de 3000, ok. Bah, 3, je sais plus si c'est 3000. C'est minimum 3000 d'attaque. Minimum 3000, donc 3000. 3000 et plus, ouais. Donc, si j'ai un monstre à 3005, je peux pas activer son effet. Ouais, c'est ça. Ok, je veux juste être sûr de pas. De bien comprendre, quoi. Je tente de reposer, fusion du marquet. Alors, est-ce que QC peut remonter? Et la question c'est, est-ce que tu fais ça pour bait et jouer une magie après, ou est-ce que tu fais ça pour bait un... Avec quel effet tu tentes Avec tragédie. Je vais dire effet Arvata pour annuler. C'est un effet de monstre, hein. Ouais. Ouais. Et en réseau, je vais avoir des trucs. Ouais. Je vais dire effet Garunix aussi, pour le spé. Et du coup, effet Garunix pour péter du main ou deck. Ouais. Si je l'envoie aussi, mais il n'a rien ta fusion. Si à la fin du tour, je peux tuto ou poser magie piège marqué. Tuto ou poser. Ouais. Ok, je vais quand même faire Kirin. Et Kirin effet. Reborn. Reborn est pété. Enfin, spé de la main ou du sim est pété. Il n'y a qu'une carte à péter hein, chez toi. Je vais reborn borne. Péter ça. Antoine fait une remontada. Ah ouais, bah là c'est compliqué là. Je une carte loin, en main là. Je pars de loin. Le dragon il a fait peur. J'ai une carte en main. Il y a vraiment un monde où c'est le fait qu'il est Negate Dragon aussi plutôt que le terrain. Que... Enfin, Garonix aussi plutôt que le terrain qui le met bien. Mais met bien. Il a vraiment un timing pour annuler Garonix. Bah Garonix sur Garonix, le terrain. Il y a plein de moyens de le spé du cimetière. Tu peux envoyer Kirin, tu peux envoyer Arvata, t'as son propre effet. Tandis que sur le terrain, je peux le faire qu'une fois, tu vois. Merci Brello. Donc c'était un boost. Il a bien joué. Donc si je pète à la battle, stand-by, tu tuto. Non, pas lui. C'est le seul que si tu le pètes à la battle, je tuto pas. La battle. Ouais. Un live onomatopée maintenant. Et deux.
T'as une phase ? Oui, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que l'effet de rebound de Garnix. Ouais. Et de péter. Non, Garnix, d'abord il se rebound, ensuite il fait son effet de péter du deck. Mais c'est pas dans le même effet ? Ça, c'est Kirin. D'accord. Je pose bannissement. Ok. Et le monstre, il fait un quick effect, je sais plus. Je peux fusion en effet rapide en main phase. Ça marche. Vas-y. Draw ? Ouais. Stand by main ? Ouais. Ça. Je dirais fait terrain. Ouais. Antonix. La flamme éternelle ne s'éteint jamais. Elle est affaiblie, mais revient toujours plus forte. Oui, c'est effrayant ton board. Hein. Dans le match, après, il met bien. Et tout ça démarre d'un Wanted. Zul, tu devrais essayer le deck, il devrait te plaire. Battle. Je pense que je l'essaierai plus tard, ouais. Je vais envoyer... Typhoon. T'es effet bannissement. Bah, je vais dire effet. Allez. Allez. Allez, ça range. Ça allait bien jusqu'à ce qu'il a négé d'MP, quoi. Ah, des match-up, elle est sympa. C'est souvent une brie, quand même, mais des match-up, elle est sympa. Ok. Est-ce que je peux spoil ta carte en Starlight, QC ? Pardon ? Est-ce que je peux spoil ta carte en Starlight ? Je peux la montrer. Vas-y, si tu veux. Ah, oh, tu l'as acheté pour ça ? Ouais. Oh là 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 ! Regardez, il a pris la photo pour la mettre dans la database, QC. C'est effectivement ma carte que j'ai pris en photo, pas du tout. Oh là 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 là, mais qui sait, mais pas papa. C'est grâce au salaire de la jet prod, pas du tout. Pff, wow. Pas du tout. Ah oh bah non. Et tu te dis, faire un trou noir, ça clean le board, alors que pas du tout. Ouais non, justement, t'as pas envie de clean le board parce que ça déclenche la fureur de la tempête. Magnifique le bien orjade. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des belles cartes en rareté comme ça. Donc du coup, je peux reset les points de vie. Question bête. Comment Mirrorjade et Typhon interagissent ? Enfin, Mirrorjade a 3000, donc il peut pas activer l'effet, non ? Exactement. Parce que c'est 3000 ou plus. Ouais, c'est ça. Je vois. Bah, ouais, mais en Starlight, il a pas 2999 points d'attaque. 0,99. Merci Nicolas pour ton prime. Sur Starlight, c'est marqué outrepasser l'effet de Typhon. Sur la tranche, là. Sur la tranche. Je suis le seul qui adore même les communes. En vrai, je trouve qu'un deck full commune, ça a un charme. Vraiment, déjà, je trouve les cartes, les communes, elles sont plates. Ouais. Là. Et ça, c'est un bonheur, quoi. T'as, il faut vraiment jouer à Yu-Gi-Oh! Pour comprendre ce feeling de « Oh, la carte, elle est plate. Oh, trop bien. » Vous les avez vus hier, les hydrantes de Vince. Ah ouais? Des aqueducs, hein. Mais tu sais que moi, toutes mes cartes, elles sont stockées ici. Des fois, il fait froid dans cette pièce. Ouais. Donc les cartes... Et du coup, ouais, je pense que ça joue, quoi. Eh bien, bon jeu à toi. Merci. Typhon regarde l'attaque actuelle ou de base? Bonne idée. Ou d'origine? On va afficher la carte. Après, le problème, attaque c'est... actuelle, je pense. Des monstres de minimum 3000 d'attaque. Le problème, QC, c'est que ton Mirrorjade était en Starlight, mais son Typhon était en Starlight aussi. Non, il est en Quarter. En Quarter. Ah ouais, c'est un faux Starlight. Je suis devant, hein, Ouais, t'es devant. T'es devant. Gros phase. Ah ouais, direct, vas-y. J'ai l'impression que Branded Opening a été plus du tout joué, et d'un coup, elle revient. Ouais. Je peux aussi dire que je suis à 60. Ah, ouais, ça joue. Faut stabiliser.
Alors, il y a Kuro qui dit « Est-ce qu'on sait interrompre le deck Fire Kings ? Car ça me semble impossible. » Bah voilà, t'as tout dit. Gérer le terrain, ça force Fire King à faire toutes ses interactions d'un coup. Fire King, ça va pas être « Je fais une interaction pour gérer un truc, une interaction pour gérer un truc. » C'est « Je vais faire une interaction pour déclencher une chaîne d'événements, une série d'événements pour gérer plusieurs choses. » C'est les dominos, quoi. Ouais, et en fait, si tu gères le terrain, moi, ça me force du coup à proc tous ses effets d'un seul coup, entre guillemets. Il y a quelques exceptions. Mais... À deux. Vas-y. Mais ouais, en termes d'interruption, interdire l'axe Agar Unix, je pense, en faisant H sur le terrain, c'est pas dégueulasse. C'est dangereux, mais Imperm ou Veleur, Agar Unix sur le terrain, c'est sympa aussi. Attention s'il y a Kirin en main. Pourquoi c'est dangereux? Ah, parce que justement. Ouais. Ah ouais. Tu peux. Si tu dis fake, qu'il y a Imper, mais que t'as Kirin en main, bah t'es content quoi. Parce que Kirin, tu peux le spé à tout moment, c'est un effet rapide. Phase. Ouais, un effet rapide en main phase. C'est pour ça qu'il y a des decks comme Rescue Ace qui le jouent un petit peu en mini engine en fait. Stand by main. Ouais, main, ok. Mais c'est pas Pac qui a fait un rescue. Il a mélangé les deux decks et il a lié tout ça avec Antide. Ouais, c'est sympa, je pense. Vas-y. Imperm sur Jabal Star, c'est mieux. Ouais, c'est sympa aussi. Apparemment, tu le kiffes pas trop. Bah, je suis en géré, quoi. C'est fait. Ouais. La brandette fut. Oh, le dragoon. Maintenant, on joue. Maintenant, on joue. Maintenant, on joue. Vas-y. Ah oui, t'as du illusion dans ton deck, toi. Ouais. Réseau. Ouais. C'est bon. Ah bah oui. Yes. Pas Lockbird. Salut Magicien Storm 135. Norme. Effet. Vas-y. Effet pourquoi? Je vais spé un bête. Alors c'est un, et tu peux en être sûr, un monstre qui mentionne Fusion Chimère. Ah. En général, tu vas spé en gros, c'est un effet rapide de le sacrifier pour spé de mon deck. D'accord. Et tu vas spé celui qui tuto 2. C'est mon vieux Baphomet. Effet. Vas-y. C'est celui-là? Non, c'est Gazelle celui-là. Ok. Bah lui, et donc lui, il tuto 2. Il va chercher Gazelle. Gazelle. Et cette magnifique fusion. Ce n'est pas aussi belle que Fusion du Marqué, mais qui est quand même très bien. Ok. Un deck Gazelle. Ah mais franchement, une carte qui tuto 2, frère, et qui peut se spé du deck grâce au chevalier épéiste du miroir, c'est quand même absolument incroyable. Et lui, au cimetière, il est fort aussi. Hein. Ouais. Il fait quoi? Bah, j'ai les deux. Negate de monstre. Ça, c'est une negate de monstre, ça, c'est une negate de ciblage. Ah non, c'est une dinguerie. Mais il faut que j'ai une fusion chimère qui arrive. Bon, elle arrive. Tu vois? Ouais, en fait, c'est vraiment, dès que la première spé, elle passe et que la tuto, t'es là en mode, ok, je suis bien, quoi. Ouais, c'est picote. Je vais me prendre des bonnies, je vais chialer. Alors que j'ai ça. C'est bon, j'ai un dragon. Ouf! Un pour tripler une carte à la fin du tour? Vas-y. Deux pour tuto? Vas-y. Trois pour reborn et paste. Ouais. Ah, donc il va le refaire à mon tour. Ouais. Pendant ton. Attends. En gros, il a respé et paste. Il se dit, j'ai pas besoin de negate de monstre. Et du coup, à mon tour, il pourra dire dès la draw ou la standby, peut-être, effet, je respecte la hotte, je retuto 2. Et du coup, j'ai une negate aussi. Ah, c'est fort. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, aucun intérêt de pas le faire. Enfin, comment dire S'il avait pas dragon. Ah ouais, voilà. Ouais, ça le. Ouais, ok. Ça tournait autour d'une entrap. Je récupère. Vas-y. Après, je sais pas, c'est Nibiru, ouais, à la rigueur. Faut jouer autour de Nibiru en l'essence, t'as pas dragon. Mais ouais, une fois que l'âche, elle est ni passée sur l'effet de la chimère, ni sur le brandette fusion. Est-ce que j'ai vu des trucs intéressants à faire avec le support spadassin des flammes? Je me suis pas renseigné. Ça va être dur. End phase. Donc là, il fait l'effet chimère, hein, Zoom. Je fais aucune petite super polie, là. Dans le deck, hein. Je pense non, c'est détruit, je crois. Non, ce serait détruit, je l'aurais peut-être pas fait. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est blablabla.
C'est la brand qui Envoyez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière. Ouais, 5. Okay. Pas mal, pas mal. Vas-y. Oh. Ah, tu as quelque chose en trop phase. Ouais. Genre Wanted. Genre Wanted. Moi, je le chaîne. Putain, ton board, il est effrayant. Vas-y. Mais attends, c'est pas qu'une négaille de monstre, ça ? De quoi ? Ah non. Non, sur le c'est sim, quand elle... il sacrifie, il se pélote qui tue au 2. Et du coup, il a une égale de monstre. À ton avis, qu'est-ce que je vais ramener ? Un tuto 2 ? Ah ouais. Vas-y, résume, en fait. Au secours. Au secours. Peut-être là que je l'ai joué. À l'époque, on pouvait discard un petit Kelbeck, ça faisait peur. Oh putain. Réseau Berfo ? Vas-y. Alors, je vais chercher Grazien et l'infusion chimère. Pas forcément, chercher qui ? Hein? Petit tour un bête niveau 4. Et qui était bête niveau 4? Oh! Ça fait le pont avec l'engine d'Espia. Enfin, bande bête. Il y a trop de ponts dans les decks aujourd'hui. Ah, ça taffe hein, chez Konami pour. Je veux dire main? Ouais. J'envoie ça pour spé la sorcière et dire effet. Alors, c'est quoi le effet but de la sorcière de l'engine Diable Star? Alors, je vais t'expliquer. C'est d'aller chercher cette carte qui te permet d'aller invoquer ou d'aller chercher un monstre feu de niveau 1, ce qui est un starter dans le deck Fire King, ce qui est un ça starter dans le deck Rescue pas. Ace. Ok. Ça te permet d'aller chercher ton starter en fait. Actuer Sanctuary, j'irai mettre le terrain. Tu t'es fait negate hein, la Diable, c'est ça? Ouais. Réfléchis. Après, au moins, t'as un body à 2005, c'est déjà ça. Bon, c'est pas ce qui va là, te sortir. Là, t'actives le terrain de ton deck. Ouais. Elle vaut quoi la version Fire King et Tree Brigade plutôt que Diable Star? Je sais pas. Fire King, Tree Brigade. C'est pas mal. En fait, tu la joues surtout pour Revolt. Hein. Y a pas de secret. Bannière dans le format, c'est très très fort. Par contre, ça renforce les faiblesses du deck qui sont Droll et Nibiru. Mais ils sont pas trop joués main. C'est plutôt des cartes de side. C'est un choix à faire. Mera. Vas-y, résume. Le petit gardien chimère. J'adore cette carte aussi. Réseau. 1. Ouais. Gros 1 détruit 2. Vas-y. 2 pour Reborn. Aïe aïe aïe. Je dirais fait heal. Effet du terrain ? Ouais. 2. C'est pas un cost ? Non. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre depuis votre main ou votre terrain. Et si vous le faites, ajoutez un monstre roi du feu depuis votre deck à votre main. C'est un seul des deux effets hein, que tu peux faire. Donc là, tu peux pas spé un monstre feu bête ailée depuis ta main. C'est ça. En vrai. Ah non, je serais bloqué quand même. Prendre pas nice. Résolution, je vais dire effet Kirin. Reborn, PT1. Ouais. Enfin, spé, pas forcément Reborn. Je pense spé Ponyx, par exemple. Ouais. Garu. C'était. C'était Chimère. Résolution effet Garu. Negate Dragoon, du coup. Défausse 1. Je réfléchis.
que tu joues des N-trap, tu sais. Target ça et ça. Allez, vas-y. On a 45. Time. Ah, tu la win. En bah, vrai, attends. On a tellement parlé que... Continue, non oh. Je pense la 2, tu l'as. Oui, je l'ai. En gros, le play après, c'est faire Phoenix, Tuto, Zeus. J'ai que ça, quoi. Enfin, pas Zeus, Typhon. Mais compliqué. Victoire d'Antoine ici à l'issue du time. Alors, c'est vrai qu'on les a un petit peu interrompus pour poser des questions et tout. Mais... Allez, je me dis... Je trouve ça quand même intéressant de... D'interagir même des fois pendant votre duel, même si ça peut vous déconcentrer et tout, mais pour avoir un petit peu de, non, de contexte. Et je me dis, c'est quand même intéressant, même en sachant ça qu'on vous interrompt, de jouer quand même au time, en se disant, bon bah voilà, peut-être que le jour où tu joues contre un mec assez lent, machin et tout, tu seras quand même dans ces situations-là et tu vas devoir quand même jouer. Je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, ça évite de faire des BO3 qui durent une heure et demie, comme on a déjà pu faire. Ok. J'essaie de garder plus longtemps possible la Negate de Dragoon parce que j'avais peur d'Evelyn. Oui. J'attendais que t'avais le terrain avant de faire Dragoon. Pour être sûr que tu puisses pas. Non, j'ai pas touché les free spots. Je suis rentré neuf. Pourquoi cette variante QC de Brandel? J'en ai testé beaucoup et j'avais jamais encore essayé la version avec Chimera. Et du coup, j'ai essayé une version 60. Je crois que c'était un joueur du Wanted, le vainqueur du Wanted qui jouait ça. Ouais. Et j'ai récupéré sa liste et je l'ai testé. Tu t'es dit, ok, pourquoi pas, ouais. Testons quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Et avec le recul, t'en penses quoi? On a vu le board que j'ai fait T2. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il propose et le fait qu'il y ait énormément de lignes de play. D'accord. T'as beaucoup de free spots dans le lac? Salut, en 60. C'est chaud, hein. Là, j'ai rentré Lockbird, c'est tout. Ah, t'as rentré Lockbird. QC, tu prends ma place, ouais. Et j'affronte Antoine et ensuite je t'affronte toi. On fait ça. Allez. Je laisse donc. Je bouge pas, tu vas en place QC. Je vais juste ranger. Quentin, que penses-tu de la version Puppet? Réponds à cette question. Pour l'avoir joué. Voilà, mal. Il l'a joué. T'as vous savez mal, tout. Hein. Stop, pas besoin de dire plus, tu l'as joué. Il fait partie de ces gens-là, tout à fait. Buvez un coup, très très bonne idée. Mais après. Ouais, ce serait top, ouais. La deckbox à QC, elle vient du Japon. Bon courage pour la retrouver. Ouais, après, il y a un mec hier qui a dit hier, un mec qui a dit hier que sa copine lui avait acheté. Ah, au Japon. Ah, il l'a pas dit. Il a pas dit si sa copine l'avait acheté au Japon ou s'il l'avait. Ok. Le l'avait gars, acheté vous sur un site. Retournez sur le live d'hier et vous me cherchez ce gars. Alors, est-ce que c'est Pierre qui a été au Japon pas moyen de la trouver? Non, ma femme, elle a été aussi par moyen de le trouver. Ah ouais? C'est clairement moins fort la version tri-brigade. C'est pas moins fort, hein. Le board final, en vrai, il est plus fort. Le fait de bannir dans la méta, c'est quand même très important. Par contre, toi, t'as grandi aussi tes faiblesses. Quoi. C'est un choix à faire. Est-ce que tu considères drôle et nib dans la méta ou pas, quoi. Il y a zéro importation de ce produit, pas à ma connaissance. Ok. J'espère que j'aurai l'occasion de jouer les Melfi pour m'entraîner un peu avec. Tu veux qu'on lit les cartes à deux? Parce que même moi, je serais pas t'aider. Hein. Bon, je sais jamais c'est lequel. On peut prendre ce petit temps avant. Hein. Parce que je crois que c'est en end phase, t'en récupères. En end phase, t'en spé 1, okay. Et du coup, le tour adverse. Dès qu'il y a une spé, tu peux le ramener, spé l'autre synchro, je sais plus. J'avoue, prenons le temps. Ouais, super. Merci, Quentin. Prenons le temps de relire.
coup, on se partage la maladie. C'est ça l'idée ? C'est ça. Okay. Sinon, j'en mets 3 bouteilles d'eau. Ouais, après, au pire. Mais attends, j'ai pas le Herald, moi. On s'ouvre quoi, le chat ? Ok. QC, est-ce que tu peux afficher les cartes Melfi, s'il te plaît ? Attends. Je peux régler la hauteur de ton siège ? Alors, j'ai cherché tout à l'heure, je n'ai pas trouvé. Ok. Je vais m'allonger alors. Pourquoi ? Je suis très bien cadré. Ah ! Alors, regarde. M'allonge-toi. Vas-y. Incroyable. Des cartes Melfi ? Ouais. Alors, Cathy Melfi, surtout, je crois que c'est elle le départ. Si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ou si un monstre de l'adversaire cible une carte avec une attaque, vous pouvez renvoyer cette carte à la main, puis vous pouvez ajouter un monstre Melfi depuis votre deck à votre main. Durant votre end phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, mais ça, on s'en fiche. Parce en que gros, tu rajoutes on ajoute Pini. Et Pini, elle dit, si un monstre bête face recto que vous contrôlez a été renvoyé à la main ce tour, donc ce qui est le cas, effet rapide, je peux l'invoquer spécialement depuis la main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant uniquement une carte que vous contrôlez, uniquement que les cartes que vous contrôlez, pardon, et des monstres Melfi depuis votre main. Ok. Donc en gros, je norme, j'ai ça sur mon board. Toi, dès que tu normes ou tu spé, si votre adversaire invoque normalement ou spé, je dis effet, je remonte, je tuto. Résolution, effet. Résolution, effet rapide. Et effet quand synchro. Elle touche le terrain, je peux faire un Herald. Ouais. Et le play, il va même plus loin que ça. Parce que quand Herald touche le sim, ça me permet du coup d'aller chercher le petit rituel. Soravis. Mini Entrap. Ouais. Qui permet de protéger un effet du ciblage, mes monstres, bon. En le défaussant. Ok, donc ça c'est bon. Je vais relire rapidement Herald, qui est lui une Omni, si je dis pas de bêtises. Et en plus, il a une. Mini Engine. Il fait un mini macrocosmos. Simplement parce que les monstres envoyés depuis la main terrain. Ou main deck au cimetière sont bannis à la place. Ah, donc c'est trop fort contre toi en fait. Ouais, c'est fort. Très très fort. Ah ouais, c'est trop trop fort. Ça, en fait, de base, et lorsqu'une carte magie ou un effet de monstre qui est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation et si vous faites, détruisez la carte. Cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Ok. La question maintenant, c'est comment tu vas spé le Cathy ? Est-ce que c'est avec... Tu peux le spé avec... Ça s'appelle Gigantique. Gigantique, ouais. Ok. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, l'Axis, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Pour le coup. Elle boone, ça, je crois. Melfi de la forêt. Ouais. Alors, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un Melfi depuis votre deck, on s'en fiche. Si un autre Melfi face recto vous contrôlez et renvoyé à votre main, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, elle ne peut pas attaquer. Et aussi, ses effets sont annulés. Coucou Soé. Ah bah justement, tu tombes bien. Salut Soé. Cathy, tu peux le spé... Surtout en une phase de la main. De la main. En une phase, tu le déclarais, tu peux le spé de ta main. Cathy, en une phase... Durant votre end phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. D'accord, donc même si j'ai déjà consommé ma norme. D'accord. Mais comment tu la récupères en main du coup ? Parce que soit c'est le play gigantique, tu l'aspects, mais comment tu fais pour l'avoir en main ? Bah, je pense que c'est de la hard draw. C'est pas possible, tu la jouerais x3 sinon. Tu fais la X6-2. La forêt, tu Melfi de la forêt, tuto Cathy. Ah, qui demande deux monstres de niveau 2. Ah. Tu fais tes sprites, tu fais ça. Ok, merci. Ah oui, en plus j'ai lu l'effet, je fais détacher un matériel pour ajouter un Melfi. Je fais, on s'en fout. Alors que c'est le seul intérêt. Bon, je pense que ça n'a pas été inutile de prendre ce petit temps et de se remettre en mémoire. Ça veut pas dire que je vais forcément bien jouer l'engine, mais bon, au moins c'était... les dernières petites cartes qui me posaient problème dans ce deck. Deck que j'ai pris à la volée. Hein.
Vous doutez bien que j'avais pas prévu de jouer Sprite. Mais bon, on reste sur des trucs qu'on connaît à peu près. Et on essaie de... Zoul, ouais. Est-ce qu'il y a ta liste? Oui. Dans les listes tout en bas, ZZ Sprite. Ok. Je vais check ça. Ça veut dire non. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, hop. Le plus haut, je te laisse commencer. C'est 8. Hein. 8. Eh ben écoute, regarde, hop. Hop, hop. Oui. Le plus haut. Vas-y, jette-les maintenant. Le plus haut. Oui, pas mal. Okay. T'as compris. Wow. Bon, le chat t'as pas compris. Non, on parce on que... peut jouer. Hein. Ouais, super. 4. Non, c'est 2. Ne te fais pas avoir. C'est une tête de tricheur là. Ah, le tricheur, ouais. J'avoue, la tête de tricheur. Ouais, après, tu sors un 4 à ton adversaire. L'adversaire, il dit, mais non, c'est 1. Ouais. Il call judge, t'es dans la merde hein, quand même. Je ferai pas ça à votre place. Hein. Je ne ferai pas ça à votre place. Et bah, bonne chance à toi. Merci. 3, 2, 1, et top. Ok. Je vais dire. Standby main. Ouais. Je vais activer deal et je vais dire effet. Ça pique. Déjà, on voit qu'il n'y avait pas wanted dans nos faces. Ouais. Merci, Noisiji, pour le. J'ai activé Prospect. Poste 3, 4, 5, 6. Ok. Pas fou. Disons-le. Alors, qu'est-ce c'est Arvata, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est chiant. Arvata qui est la negate de monstre. Je la relis hein, pour l'instant. Ouais, mais ça va être lui que je prends, je pense. Bon, on est très loin des 93%. L'a jeté quoi. Ouais, pas de respect. Vrai, excuse-moi. J'avoue que je l'ai jeté. J'ai fait un shuriken. Ça va, c'est un petit shuriken. Je vais Norm Arvata. Ouais. Et je vais dire Phantom. Ok. Vous pouvez pas faire ça contre moi. Bah tu joues pas H. Gros. Gros. Vas-y. C'est surfait les traps. C'est surfait. Standby. Ouais. Main. Main, ok. Oh. Ouais, trop tard. Comme tu veux. Non, standby. Vas-y. Pas le choix, vas-y. Quoi, ok, on est d'accord que Kirin, son effet, c'est en main phase. Oui, oui, c'est en main. Ok. Mais si tu joues autour de Kirin. Ça change rien. Ça change rien. Ouais. Tu fais un effet de monstre, je dis effet Arvata. Chaîne Kirin. Ah oui, je vois. Hein bon, tant pis, trop tard. De toute façon, on y mais va. Mais je suis obligé de jouer Kirin, du coup, maintenant. Norme. Ouais. Spé effet. Il est déjà en sueur. Je suis déjà en sueur. En fait, il y a un truc, c'est que à partir du moment où je gigantique, il touche le terrain, c'est chiant. Vas-y. Ah bah, gigantique, c'est ton pire ennemi, hein. Vas-y. Effet. Et je vais prendre 1100. Ce magnifique starter à 3. Vas-y. Prends 1100. Ok. Oh, peut-être pas. Carrot. T'as même pas en ultra. Non. SP.
effet. Effet Arvata. C'est pas un cost du coup. Non. Ok, donc là, t'essaies de me dire que potentiellement t'as Kirin. Peut-être. Et que tu vas le chaîne. Ou que. Quoi qu'il t'ait baisé, et que t'essaies de me bait pour provoquer un effet de raid. Bah. Vas-y. Je veux dire Kirin. Je suis pas obligé de péter lui hein, pour l'aspect. Je vais dire rouge, pète carotte. Ça te détruira pas du coup. Ok. Ouais. Tu peux se faire ton effet. Chiant, ouais. Est-ce que tu voulais faire Kirin pour que Arvata se résolve? Oui, je crois. Oui, c'était pour ça. Exactement. Je peux pas. Pourquoi? C'est pris un perm. C'est pas comme si c'était un skill drain. Ah, l'effet de là, même, en fait. Ouais. Ah, je peux pas l'activer non plus. Bah, tu je voulais résoudre, mais il est annulé. Tu voulais résoudre la negate d'Arvata. Ouais. En l'envoyant au cimetière, ouais. En disant ouais, exactement. Ça prend. Exactement. Tu peux pas. Ok. Ok. Ouais, c'est pas genre tant qu'il est sur le terrain ou une connerie comme ça, c'est pour ça. Parce que tu vas déclarer un effet sur le terrain, et cet effet sur le terrain est annulé, même si la copie okay. Le terrain. Par contre, ça annule pas ses effets aussi. Non. Ouais. Au secours! Ah, le fameux. Effet! Vas-y. Tellement pas joué autour de Nib. J'avoue. Mais c'est surtout, je passe pas ton mob en fait. Quel mytho. Il n'est pas boosté ton X6? Non. Non, je l'ai pas fait exprendre. Mytho, je suis sûr, tu peux. Mytho, je suis sûr, tu peux. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis sûr, tu peux. C'est coûteux, mais tu peux. Si tu veux, tu peux, on est d'accord. La question c'est, est-ce qu'il veut... C'est juste que tu penses... Mais non mais... Je pense pas... Tac, je peux faire ça peut-être. J'ai une musique Pirates des Caraïbes, c'est rigolo. Des musiques libres de droit. Je jure. Ouais, comment c'est Yu-Gi-Oh actuel, c'est un problème, je pense. Master Duel Edo, je suis d'accord. Là, tu cherches à ce que tu vas spec gigantique, c'est ça? Ouais. Il y a combien d'attaques le... en synchro? Attends. Le synchro, lui tout seul, il fume. Hein. Le synchro. Bah, le Herald. Le Herald. Faut que t'arrives à cette opérale. Mais je peux pas. Mais là, il peut spé un Kati ou comme ça, non? Il peut spé Kati de son deck. Ouais, mais le Herald, il a 600. Il a 600 d'attaque, ok. Je savais plus combien il avait. Ah, j'avoue que le move, c'était ça. Ok, bon, vas-y, j'y vais en YOLO. YOLO. Je vais faire ça. Ouf. Mais d'accord, je peux. Hein. Ouais. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez sélectionner et envoyer un autre monstre haut de type aqua. Il y a des choses à faire. T'as pas d'autres monstres type aqua? Il y a large des choses à faire. Je peux envoyer ça? Je vais dire effet. C'est loin dans ma tête. Une fois par tour, vous pouvez renvoyer une carte de votre main. Une fois par tour, vous pouvez renvoyer dans votre main un monstre que vous contrôlez pour
Invoquez normalement un monstre grenouille ou rainette. En addition de votre invocation normale ou post-tour. On est d'accord, je suis pas obligé de résoudre la deuxième partie des faits. De normes ? Ouais. Non, t'es pas obligé. Ok, donc je remonte ça. Mmh. Ouais, c'est tellement cher. Ce que je... Ouais, tu te casses la tête pour rien. Hein. Ah ouais ? Je crois, hein. Vas-y, mais... Pas trop tard, hein. On refera le move au pire après. Effet ? Ouais. Tout ça parce que tu veux une Omni ? Non, mais je veux passer son attaque. Alors, ok, c'est joué, mais tu sais que tu joues SP. Ah, mais ah ouais. Il fait pas d'attaque direct derrière. Mais lui, c'est bien. Bah ouais, je veux juste gérer, on est d'accord. Ouais, c'était con. C'était con, tant pis. Tant pis, c'est le jeu. Battle ? Ouais, on y est. Je prends 200, Quentin. Ok. Non, 400. Mais j'ai 1008. C'est 2002. Ah, 2002, pardon. Je crois que c'était 2000. 1005 ? Non, non. En réseau, je dirais Féponix, comme t'as pété un fire au combat. Pour le SP. Vas-y. Et du coup, effet pour tuto. Vas-y. Il est sympa, il active pas crapaud. Ouais. Ouais, je suis con. Tant pis. C'est la vie. Mais c'est intéressant, tu vois. Là, j'étais un peu paumé. Faut replay là. Il y a gigantique. Ah oui, il y a gigantique. Merci. Putain, bah, si, tu peux se faire un niveau 1. Bah non, c'est non, que des c'est deux. Que des deux. Pas deux au moins. Que des deux. Ah. Ah non, ils ont raison de ouf. Quoi, les tours, déjà. Ah, putain, remonte, tu peux pas faire ça. Tu peux pas être sprint, le tour il est invoqué par lien. Wouah, merci le chat, j'ai zappé. Ah, donc il pouvait même pas faire ça. Même ce que je voulais que tu... Ah. En gros, tu pouvais faire SP, mais... Ouais. En utilisant lui. Ah putain, c'est vrai que t'as lui. Ah bah non, en fait, ce que je pensais était pas mal, en fait. Melfi de la forêt, tuto Cathy. Melfi de la forêt, ah ouais, gigantique, SP. Bon, SP Banarvata. On refera le move tout à l'heure, du coup. Alors ça, tu... Oui. Bah, je suis obligé. Oui. Je suis obligé dans ce cas de figure, là. Oui. Oui. Je sais pas ce qu'il... Pourquoi tu peux toujours pas... Pourquoi il dit ça ? Demande du même niveau. Ah ! Tu peux pas utiliser un X6. Tu peux pas utiliser un X6 pour faire. Faut que des monstres avec des niveaux. Waouh! Il est intéressant cet entraînement. Et t'as le raid là. Ah non, il est là, pardon. Donc je sais plus c'est quoi que t'avais en matos, une castor peut-être. Est-ce que je pense à Bassoé, mais c'est pas ouf. Alors. Je suis là-dessus. Bah là-dessus, je suis baisé. Heureusement qu'ils suivent. Et je te propose mon move. Ben... Non mais on le reproduira après. Faut que je joue avec ma connerie quoi, c'est tout. Hein. 7-1. Ah, du coup je vais te remettre tes PV Antoine. Merci. Oh, si je fais ça c'est terrible. J'ai le droit de faire ça. Je pense. Lui peut être utilisé en matériel. Non, c'est pas lien. Lien. Pas lien. Ouais. Voilà. Le move le plus nul de la terre, sa mère. Pourquoi tu fais ça? Pour passer ton truc à la bataille. Ok. Oh là là, terrible. Eh ben, battle, hein. Bon, on débriefera après le chat, effectivement. Ouais, t'as combien d'attaques, du coup, avec 3002, le move était terrible, hein, 3002. Hein. Ouais. Le move était vraiment terrible. Et 1002. Mais bon, j'essaie de me mettre en situation. Alors, attends. S'il se passe ça demain, je vais pas pouvoir dire « Ah, je peux replay ou machin, je suis baisé. » Je crois pas que tu puisses. Ah ouais ? Je vais vous rafficher gigantique. Ah, il faut enlever les matos. Alors, deux monstres de niveau 2. Pour l'invocation X6 à cette carte, vous pouvez traiter les monstres lien 2 que vous contrôlez comme des monstres de niveau 2 en tant que matériel. Bah ouais, mais pas les X6-2. Mais pas les X6. Ah, putain. On va y arriver, hein. On va y arriver. Ouais.
Le port d'un 1800 qui s'avère impassable. C'est fort, Yugi. Il est trop fort, Avatar. Mais une pression. Ok, je l'ai. Alors peut-être. Effet crapaud pour Spé. Ouais. Je suis un roi s'il fait le move que j'ai pensé. C'est parce que toi, tu veux que je fasse SP, mais... Mais pas en première attention. Ok. Effet. Pour. Ah bah oui, je peux... Ah ok, je vais peut-être l'expliquer, du coup. Bah là, c'est... tu veux que je fasse le move avec SP, mais... Ouais, mais d'abord, tu fais Melfi de la forêt. Comme ça, t'as une X6, tu peux bannir. En gros, tu veux le faire ou pas? Bah ouais, parce que je vais apprendre un truc sur le... Vas-y, remonte. Sur le move, mais... Renvoie Akashi dans vas-y, ton extra. Prends la première, mais... Non, fini. Reprends tes meubles, là. Oh. Faut pas que tu remontes le crapaud, je pense. Comme ça, tu gardes ta lotte en main. Tu fais X6-2. Ok. Avec rouge. Ok, on est là-dessus. Avec le géant. Faire ce que tu spé. Tu peux spé crapaud. Hein, ce... Ok, avec le géant spé crapaud. Est-ce que je foulige crapaud ou... Ok, on s'en fout. Ça vide le deck. Okay. X6-2, Melfi de la forêt. Je crois que c'est les gars ce que je. Ouais, que ouais, je faire, crois. Hein. Alors. Tuto Cathy. Ok. Avec Melfi de la forêt. Et gigantique, tu fais SP. Et SP, bannir Fata. Voilà. Et comme ça, toi, tu peux faire Cathy et faire Héral pendant le tour d'Antoine. Donc tu fais ça. Pour faire... SP. Et comme ça, Arvata n'est pas détruit et tu ne provoques pas des effets ou autre. Mais de toute façon, même détruit, à l'invocation. Je peux pas SP. Donc, À l'invocation. Bah, je peux bannir une de mes cartes. Donc je bannis ça. Je pense que c'est mieux de bannir le terrain sur ce set là. Ah et vu que, vu que t'es lock en deux. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Parce que bannir le terrain va détruire ça. Ouais. Et lui, il a un effet... En fait, le choix que t'as à faire, c'est est-ce que tu me laisses Tuto Defyer à mon tour ou est-ce que tu me laisses Arvata au cimetière. Parce qu'il y a toujours un monde où je peux potentiellement le reband. Dur, mais... Bon, disons ban ça, vas-y. Ouais, du coup, il fait. Ok, je peux pas battle directement c'est le tour où, c'est ça. Où je fais ça. Et du coup, je dis end phase, spé Cathy. C'est ça. Remonte Cathy. Pour tuto, je crois. Non, comment, je peux pas le remonter. Cathy, je peux c'est pas quand le remonter. Je vais norme ouais, ou spé. Je peux pas le remonter, ouais. Ok. C'est une fin de tour. Je te laisse cut. Ok. On la joue pas de façon, non? Si, bah si. Draw. Ok. Ok. Stand by main? Ouais. Du coup, t'as tuto Pini. Spécial summon et effet. Spécial summon et effet. Ouais, poser une magie piège. Péché originel, c'est ça? Putain du péché. Alors, à la spécial summon, je vais avoir chaîne 1. Pour remonter en main. Ouais. Et 2 du coup. Chaîne 2. 3. Vas-y. Ouais, 3. Tu dois cibler, je crois. Ban. Remonte en main. Tuto. Et tu me diras si en résolution t'as quelque chose. Je vais résoudre mon truc déjà. Hop. Et en réseau, vas-y. Je vais faire effet Pini
Je vais déclarer effet Pini pour le SP et faire immédiatement après une synchro. Vas-y. Donc c'est main ou deck aussi, Max, c'est bon. Main ou main deck, ouais. Norme effet. Tuto. Moi j'y piège produit. Norme ou effet. Norme et effet. Ouais. Ah, attends. Je crois qu'on soulève un point intéressant. SP, c'est un Lorsk. Et Cathy. Il pouvait faire qu'un des deux. Il y a moyen. Oh, c'est des choses intéressantes à savoir. C'est clair. C'est ainsi. Donc, en gros, SP chaîne 1 et Cathy chaîne 2. Ça change rien. Ça change rien. Mais donc là, c'est norme effet pour tuto. C'est dans cet ordre-là. Je crois. Moi, j'y piège. Tes effets de Fire King. Ouais. C'est ça. Genre Kirin. Ouais. Il dit détruit un, puis. Ouais. C'est, j'active et en résolution, je pète un fire. Ça peut être même en main. Je ne target pas pour le spé. Mais je dois détruire. Vas-y. Vas-y. Sanctuaire. Réseau, ok. T'as pris Sanctuaire. Sanctuaire, ouais. Sanctuaire qui... Quand je l'active, permet de faire le terrain et à ton tour des XS. Vas-y. Je dirais Fekirin. C'est un fire pour le spé. Pour. Ouais, il est trop fort. Comme ça, gratuitement. Du coup, tu peux pas résoudre. On n'a pas de musique de fond côté chat, c'est normal. Oh si, il y en a. Vous l'entendez le chat? Moi, je l'entends. Elle est faible, mais... Parce que hier, j'ai regardé un peu le replay. Non, j'ai pas lu. C'est jusqu'à la end phase ou tout le temps? Ah, c'est tout le temps, il est à moi. Je le garde après le duel. C'est ouf. Putain, je vais devoir racheter un structure. J'en ai si tu veux. Je les ai achetés, je les ai pas ouverts. Ouais, mais à un moment, il faut qu'il part. Lui. Activer. Mettre le terrain. Est-ce que je peux lire Kirin, s'il te plaît? Bien sûr. Je vais vous le rafficher. Ok. Fort. T'actives ça, vas-y. Mettre le terrain. Faire, du coup, je dirais fait terrain, tu fais ça et pas tout ça. Ça détruit. Hein. Ouais. Annule l'activation si vous faites détruire la carte. Ok. Ok. Et ça empêche pas la destruction, t'as continué. Je fais laquelle? Ah, celle-là. Ouais, mais ça annule l'effet quand même. Je peux empêcher la destruction, mais si je le fais, je dois péter un fire. Ok. C'est ça. Ah, j'avoue. Ah. Merci, Quentin. Bah, c'était mieux de négate la continue. Bah, ouais. Terrible. Bah, je le saurai maintenant, c'est bien. Tu veux négate la continue? Non, vas-y. Moi, j'ai fait héros. Attends. Donc, du coup, en résolution, je dois péter un fire. Parce que là, ça change tout. Vas-y. De ouf. Viens, on fait la 2, on s'en fiche. Ouais, on fait la 2. Ah, allez, Antoine à la première. Égalité à la 1. Non, Antoine là. Antoine là. C'est bien. C'est un moment. N'importe quoi. Ah, ouais. Putain, j'avoue. Sanctuaire que tu donnes à Gate. Cette game c'était nage. Bah non. Il y a pas mal de choses à retenir.
Bon, encore une fois. Sprite, en vrai, je pense que c'est le bon choix pour moi pour demain. Mais bon, je sais que je le joue pas à 100%. Quoi. I'm not Samir Bachar. Oui, demain c'est streamé par Vin sur la chaîne de Konami FR. FR. Konami FR. Il est justement parti installer pour demain. Ouais, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Ouais, si, si, je peux te garantir. Hein. Allô ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Que se passe-t-il? Ah, je sais pas ce que je fais. Ouais, shifter c'est fort. Ok, let's gong. Allez, bonne chance à toi, Antoine. Également. Sur une première game particulière, là. Je vais nous souhaiter une meilleure compréhension. Ok, je suis content de même. Ok, et eh ben vas-y. Hein. C'est toi. Oui, c'est vrai. Ne me dis pas que t'as 7 secondes. Refais, vas-y. Allez, mets en time le. Mets-le. Mets le time oh, en pause. J'ai absolument 7 secondes. J'ai absolument side. Oh, vas-y. Vas-y, refais ton side. Hein. Oh là là, le man. Tu peux me laisser faire ça. Bof. Je t'avoue, j'ai moyen envie quand même. Réveil est dur. C'était quoi la last? Chimera se splash avec Roi du Feu. Je crois pas. Jamais vu en tout cas. Test. Il nous dira. Évidemment, ne faites pas ça chez vous, hein. C'est fait par des professionnels. Évidemment. Ouais, mais est-ce qu'il pensera à le faire? De quoi? Je pense pas. Aide-le, envoie des signaux lumineux. Qu'est-ce qui se passe? Non, il a surligné Shifter dans. En mode Zool, Shifter. Vous voulez pas de rentrer Shifter, Zool? En fait, je l'avais mis en second et là je me dis. Est-ce que t'as envie? C'est chiant. Mais si tu l'as en main de départ, tu peux le faire dès le début de ton tour. Après, tu te prives de ton sim. Hein, mais... Bah ouais, parce que moi j'ai quand même des plays avec mon sim. Mais tu sais quoi? Ça me chume. En vrai, je pense qu'il faut que je le mette. Je pense aussi. Pour tester. Faut que tu t'habitues à le jouer hein, parce que ça détruit des. Il faut que je le teste ça parce que. Des decks, hein. Si tu pioches, c'est chiant, mais. Mais tu vois, ça m'embête aussi un peu, tu vois. Man de départ, c'est pas mal. Bah, ça t'emmerde. Ça va, je trouve. Mais il faut que je le teste. Faut que je le teste ouais. Ça donnera tellement plus d'avantages que d'inconvénients de le jouer, alors joue-le. Ah, le zouave de base quoi. Oh. On me demande de refaire un update du deck Blue Eyes Go Second. Ouais mais je peux plus. Ce deck là il me colle trop à la peau. Les gens maintenant ils me voient y arriver, ils disent vas-y commence quoi. Ah, t'as rêvé qu'on te dise bah ça. Bah ouais, arrête, te fais pas genre. Quel mytho. Je peux pas. Tu feras ça pour la barbecue. Ouais. La barbecue. Ouais. Je sais pas parler aujourd'hui. C'est terrible. Ouais, c'est ça en fait le deck. Tu le joues une fois, tu surprends l'adversaire ou le groupe une fois et tout le monde au courant après. J'aime bien. Bonne chance. Bah tu commences pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai perdu. Là il va dire j'ai encore ça avec des secondes. Bonne chance.
Ouais, bonne chance. Tu feras pas ça demain. Hein. Gros. J'accepte. Vas-y. En 1100 et j'y ai fait. Ouais. Standby main. Main ok. Mmh. Ah ouais. Non, rien vu. Il y a du vent. Il a cligné des yeux, il a changé de place. Il y a du vent. Effet. Vas-y. Il a toute la famille. Il y a toute la famille. Il s'expose à Nib. En hein. Réseau, je tente de drôle. Ouais. Ok. Ça ira le nombre en tête. Peut-être. Vas-y. T'as eu le kiff, sprint. Je joue peut-être trop. Je pense que j'ai des lignes pas optimes, mais c'est un peu des moves un peu de comfort zone, quoi, tu vois. En vrai, ça va. Hein. Carreau, je te protège. C'est ok, mais bon, c'est pas. Effet. Vas-y. Fin de tour. Draw. Ouais. C'est pas mal ce board. Standby. Ouais. Main. Ouais. Normal fat. À la norme. C'est que quand il se pêche, je crois. Ça, c'est quand je norme. Ouais, mais ça, c'est quand tu fais. Ok, là, non, j'avais arrivé, Cathy. Ouais, vas-y. Ça va venir en main. Et en réseau, est-ce que tu as quelque chose? Non, réseau, go. Eh bien, je vais déclarer un effet pile. Vas-y.
Je vais dire battle. Ouais. J'avais pas vu la défa 40. Tapez la link. Ah, c'était sûr. Vas-y. Alors la question c'est, est-ce que je dois le récupérer en monstre ? Ou en matos. Ou en matos. Parce que ça c'est le negate monstre pour moi. Oui. Mais tu dois parce que j'ai des... un feu ? Alors c'est un feu bête, bête guerrier ou bête ailé ? Ah j'en ai pas alors. Parce que le problème c'est si je le mets sur le terrain et que tu me le gères. Ça proc. Ça va proc, alors que si je le, l'attache, il est pas compté comme sur le terrain. Je pense que c'est mieux effectivement l'attache. Secours. Main 2. Ouais. Je vais activer Sanctuaire. Et j'y réfère. Activer le terrain du deck. Je vais faire carotte. Sur... Ouais. Je vais activer heal. Oh. C'est rien effet. T'es en main 2, hein? Non, main 2. Vas-y. Dans sa tête, il est champion du monde. Ouais, alors je suis bien. Résolution, effet guerre unique pour le sport. Alors, il est. Il est détruit. Oui, de la main, bien vu. Du coup, est-ce que tu peux le faire? Ouais, je peux juste péter, détruire. Okay. Parce que là, t'as fait l'effet de détruire un de la main. Ouais. Oh, ok. Effet de guerre unique pour le spé? Ouais. Ok, et son. Vas-y. J'ai quand même du refait. Pour détruire du deck. Ouais. Pony est ban ? Ah oui. Pony. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, les interactions, elles sont intéressantes. C'est vrai que le petit Herald contre Fire King, c'est pas trop mal. Et lui. Ce n'est pas trop mal. Je vais me faire voir. Robin, que j'aime pas. Tu gagnes quand même l'attaque ? Aucune idée. Bon, on s'en fiche. Ouais. Mais j'ai pas de battle et Raffin, j'ai plus mon boost. Bon. Posez un, toi. Je réfléchis. Ah, j'espérais et... tellement que tu fasses Hérald sur le terrain. Oh là là. Bah ouais. Bah ouais, mais je me dis que ça te fait trop chier, en fait. Trop. Ouais. Stand-by. Mmh. Bah t'as pas des first stone. Quel dommage. Main. Oh, je vais me prendre un karma. Alors pour te répondre, c'est monstre en ban à cause d'Hérald. Hein? Là, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat. Waouh. C'est ce que je dis à mon tour. Waouh. Ça va t'as que karma. T'as 8000? Ouais, je suis full, je crois. Toi, t'as 6009 avec démarreur.
Putain, je vois pas la ligne tout de suite alors qu'elle doit être super simple. Mais main phase. Ouais. Elle doit être super simple cette ligne, mais je la trouve pas. Putain, ça me stresse. Ça me stresse. Je te jure que j'ai tout pour gagner et... Il a combien d'attaques ton Garenix ? Bah, il est re à 2007 maintenant. Boosté jusqu'à la fin du tour. Il est pas boosté par ton terrain ou autre, non ? T'as rien dans le signe. Tu vois, là, c'est là le moment où, dans le tournoi, je prends la pression parce que... La peur de gagner. Et si je fais ça, je peux pas battle direct, c'est ouais. Ça hein. Aucun de mes monstres. Ok. Putain, je sens qu'il y a un monde où je vais me faire baiser, ça va me spé. Mais une phase. Spé effet. Ouais. Tu joues le moustique ou pas? Ouais. J'étais en train de calculer pour le moustique juste avant. Parce que le moustique, c'est. Il prend que les dommages que je suis censé prendre ou il prend la valeur d'attaque de son monstre? En gros, je vais l'afficher. De toute façon, tu l'as dans ton extra. Ouais. Il n'est pas destructible au combat. Tu reçois, vous ne recevez aucun dommage de combat appliquant cette carte. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer si possible. Et lorsqu'une attaque est déclarée, tu actives un des effets. Tu détaches un matériel et si tu fais, tu peux placer un compteur hallucination sur un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Et les monstres avec un compteur hallucination ont leur effet annulé. Ou... Afficher des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'un monstre avec un compteur hallucination. Okay. Première attaque avec moustique, effet je mets détache. Le compteur, donc je mets rien en dégâts. Avec le reste, tu tapes déclaration, il prend 2007. Ok, tu perds un mob, tu retapes déclaration, il prend 2007, tu prends des dégâts. Donc il faut qu'il y ait 4 attaques. 3, j'ai calculé. 3 ça fait 8100. Okay. Donc là, je peux faire. T'aurais tort. Garenix, c'est pas 3005. Non, 2007. Mais garde en tête qu'il y a une face cachée. Ouais, mais il a gardé carotte. Il y a aussi Herald. Spéjet, jet effet. Ouais. Tu vas avoir besoin de 3 attaquants qui ont pas. Qui ont pas. En gros, fais gaffe à tes PV, quoi, parce que tu vas aussi prendre des dégâts. Ouais. Ah. Sauf sur le premier, c'est ça? Bah, le premier, il va mettre le compteur. Et il prendra pas de dégâts parce que lui, il prend pas de dégâts le moustique. Donc il faut qu'il mette des mobs qui ont moins de 2007, mais pas trop de différence non plus pour pas prendre trop de dégâts. Bah tu fais taper par ordre de puissance en fait. Et normalement ça devrait être bon. Parce que lui, son garni sera pas pété, il va juste prendre des dégâts et mourir comme un caca. Allez, on y va, battle. On voit ce que ça donne. Compteur. Paf. Donc là, je prends 1007 et toi, tu prends 2007. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu perds ta carotte. Ah, je perds ma carotte. C'est en dernier, peut-être. Okay. Fais attention à comment tu tapes. Donc, tu prends 2007. Alors, je vais faire la calculatrice. Alors, 8000. Moi, 2007. Antoine passe à 5003. 5003. T'as tapé quoi? Il a combien? 1003. Il a 1003. Moi 2007. 2007 moins 1003, tu prends 1004. Ouais. Donc j'ai tapé extra. 1004. Tu as 5500 vous. T'as déjà au-dessus. Je tape à 1006. Ouais. Donc tu prends 2007. 2007 et moi je prends 1100. C'est ça.
Zoul est à 4400. Antoine, tu es à 2006. Et je tape avec rouge. Ouais. Ouais, c'est bon. Et c'est bon. En fait, j'essayais de chercher autre chose que mon stick. Et ce qui me faisait flipper, c'est que je voulais pas perdre ça sur le board. Ouais, de ouf. Après, et j'ai pas de carte en main, j'ai pas de cimetière. Genre, la négate de monstre, tu t'en fous, quoi. Peut-être. La seule inconnue, c'était la face cachée en MP. Oh, est-ce qu'on va avoir la sucrerie d'Antoine en side ou pas? Ah bah, elle arrive, là. Parce que bon, il reste 5 minutes, quoi. Du coup, on se retrouve à 1 partout. Je vais remettre les points de vie. La concentration. Allez, let's go, on va la jouer jusqu'au bout. Attends, tu vas commencer à la dernière. Qu'est-ce que c'est dur, Yu-Gi-Oh, quand même. Mais bon, c'est trop agréable quand tu fais une belle partie, que t'es satisfait, machin, que t'as fait des bonnes interactions. Mais... c'est dur. Le nombre de cas de figure que tu dois anticiper, de cartes que tu dois connaître, d'interactions que tu dois connaître aussi... Je te laisse la main. Allez, je m'en doutais, ah, mon ouais. ami, merci. Ah, donc t'as rentré... Ah. Alors, standby main. Ouais. De quoi qu'il y a une commission Victor O'Dime. Ouais, mais pas moi. Ah bon. Depuis, ouais, effet. Vas-y. En norme, hein, bien sûr. T'as deux H. Ok. Ah, c'est bon. Il sait si tu peux me parler. Comment? Oui, ça, c'est légal. Fait. Vas-y. Gagner 3002. Ouais. C'est lequel de diapason? Rouge. Rouge. Il y a 3002. À toi. Draw ? Ouais.
Command by Main. Ouais. Norm. Ouais. Battle. Battle. Ouais. Top. Je vais prendre 200. Main 2. Ouais. Respect. 3, 4, 5, 6. T'as pris quoi? Haunted. Un réseau? Ouais. C'est bon. Et c'est le time, les amis. Ça rend un peu long. Quel dommage, là, un perm en sixième. Eh ben, bien joué. Bon, après, la première, elle est particulière, ouais, elle est aussi. Bizarre. La deux aussi. Elles sont toutes particulières, mais... Mais je me suis dit, oh, je le sens, il va me laisser first. Mais de toute façon, je pense que vu le truc, je vois, dans tous les cas, je vois rentrer le Red Resonator. Ouais, dans tous les cas. En lui disant, comment je pensais que tu jouais Dogwood. Hein? Dogwood. Skill. La N-Trap qui fait gagner des PV. Non. Non, je joue ça. Je pensais que tu parlais de Scattershot. Eh bien, c'est au tour de QC, mon ami. Let's gong. Bon, il y a du boulot, hein, comme à chaque fois, mais bon. Hop là. Il n'y a pas de... Fire King, il n'y a pas d'option time, du coup? Si, mais je l'ai pas mise. D'accord. En gros, il faut jouer deux briques. L'ancien Kirin et Scattershot. Ok. En gros, l'idée, c'est que avec Garunix, tu vas péter l'ancien Kirin, et Kirin, il va péter un pyro du deck. Du coup, tu pètes Scatter et fais burn de 500 ou 1000. Ok. Mais, ouais. Faut avoir la place de le mettre. C'est un test, je sais pas si je vais la jouer. Bon, qu'est-ce que vous pensez du match-up et même du deck sprite, en fait, tout simplement, qui, en fait, n'est pas censé être vivant dans la méta, entre guillemets, mais qui peut poser des problèmes. Moi, t'as déjà mon avis. Hein. Sur Fire King, je trouve que c'est un deck très fort, parce que tu peux jouer des choses comme Shifter et être moins impacté que d'autres decks. Parce que Gigantic fait que durant ton tour, j'aurai très peu d'interactions. À partir du moment où il y a Gigantic, je dois l'annuler. Sinon, s'il passe, bah, je peux rien faire. Et surtout, t'as pas Darkruler No More dans la méta. Enfin, je le vois très peu. Quoi. Ouais, je vois. Parce que pas mal de decks ne se prend pas. Donc, Rescue c'est. Et le mien. Je pense que Runic Sprite a un meilleur match-up que juste Sprite. Et que Sprite reste fort. Alors, c'est possible, c'est ce que tu m'avais dit aussi, Antoine. C'est le choix de Lucas. Après, c'est dur de se lever. Le truc, c'est que j'ai jamais joué Sprite Runic. Donc, je suis là en mode, vas-y, je vais pas tout chambouler du jour au lendemain. Je joue ce que tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est bon, j'ai assez de fois fait des dingueries. Hop. Pour. Ok, et bien, QC. Bon Zoul. Il est l'heure du duel, mon ami. Quel deck tu veux affronter? Celui que tu veux. Tu joues ce que tu veux. Ouais, ok. Joue ce que tu veux, sauf Branded et Tyr. J'aime pas jouer Fire King. J'aime pas jouer Branded et Tyr, donc si tu peux éviter de les jouer, ça m'arrangerait. Voilà. Quel dommage. Tu as mon deck, du coup? En vrai, c'est premier degré, c'est vraiment ça, en plus. Je vais chercher le deck dragon de Franck. Ok.
Oh, c'est bizarre, t'as beaucoup de cartes dans ton deck. Wow, c'est un beau parping. J'ai pas du tout deviné quel deck tu jouais. Un bel immeuble. Un bel immeuble, j'avoue. Ça te saoule pas de jouer 60 dans la manipulation des cartes? Moi, je sais que, premier degré, j'avais déjà essayé de faire un deck 60 où je devais tuto à chaque fois dans mon deck. Ça me saoulait. Je passais mon temps à chercher des one-off dans 60 à tuto. Ça me saoulait, premier degré. Et toi? Pas centré. Pardon. Bah, vu que je ne l'ai pas joué depuis un petit moment, j'avais plus feeling, mais quand j'ai joué contre Antoine tout à l'heure, c'est un peu chiant quand j'allais tutoriser. Je m'entends très très fort dans le casque. Ah ouais? Ouais. Alors, t'es lequel? T'es là? Là? Apec. Là, c'est bon? Là, c'est toi que j'entends moins fort, je crois. Ah ouais? Allô? Ah, je pense que c'est... Ouais, là, c'est bon. Ok. Attends, Antoine, deux secondes. Je comprenais pas. C'est de la magie vaudou. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, tu peux reprendre. Il comprenait pas forcément. Je l'avais déjà raconté, ça, que chez le stream, il l'avait fait. Il a bougé. Non, une fois, on jouait à Call of Duty, je crois. On jouait au comment on appelle ça? Au Battle Royale de Call of Duty, ensemble. On était tous dans la même pièce, tu sais. Et on jouait. Et des fois... Je jouais et mon écran il faisait. Et j'étais là en mode wow, les gars, il se passe un truc de ouf et tout, wow, c'est quoi et tout. Et je jouais et ça bougeait. Et j'étais là, wow, mais les gars, il se passe un truc de ouf et tout. Enfin bref, bon, en plus, tu me connais, moi, quand il se passe un truc comme ça, je réagis fort, tu sais. Et eux, ils étaient morts de rire. Et je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris au bout de 2 heures qu'il y avait un mec qui avait branché une deuxième souris sur mon PC, qui l'avait sur les genoux, et puis il faisait des hop comme ça. Mais mon PC, il est possédé. Et je te jure, moi, en vrai, à déceler, c'est impossible. Enfin, franchement, t'es là. En vrai, il faut vraiment être capable de l'anticiper. Et sur le coup, j'étais là. Tu sais, tu te concentres pour viser, d'un coup. T'es là en mode, waouh, mais les gars, il y a un truc. Il y a un problème et tout. Il y a un mec qui me contrôle et tout. Et je l'ai pas pigé, quoi. Ouais, c'est très drôle. QC. To die. Le plus grand. Allez. 9. Vais-je enfin commencer une game? Allez. Allez. Bonne chance. Bonne chance à toi. Let's go. Allez, bonne chance. Bonne chance. Stand by main. Ouais. Warhammer Battle, c'est pour quand le live? Mais sachez que j'ai sous les zoules avec. Ça serait déjà fait si j'avais réussi à le convertir. Alors. Norme qui était fait. Je suis tôt une magie piège marquée, je peux remettre une carte sous mon deck. Vas-y. Il y a encore des joueurs branded dans les tournois, les amis, ou pas? Ouais. Mais c'est plus des variantes, je pense, avec. C'est que des potes de QC. 1, 2, 3, les illusions. La secte de QC. Ouais. C'est que des potes de QC. Pour que ça soit vraiment des potes de QC. Je sais ce que tu veux dire. Il nous ferait pas le plaisir de faire un petit duel fun avec Nibiru Toon. Oh, je sais pas. Non, mais vous le chauffez, arrêtez. Voilà, il a lâché sa game, il pense déjà à celle d'après. Hop là. Ouais, il fait peur. Ouais. Est-ce que j'ai une hache blosson? Non. C'est une victoire. Alors. Non. Oui. Ouais, c'est que j'ai déjà ça brille ici, hein. Le problème, c'est que j'ai déjà norme. Ça brille. Vraiment juste faire ça. Tu joues Sprite. Tu sais pas. Je ne sais pas. Bon, tu sais pas, mais... enfin, tu sais sans savoir. Ouais, je suis d'accord. Le fait de jouer avec des illusions, ta hache, tu sais pas quand tu l'as fait. Mais en fait, dans le doute, t'es obligé de la faire quand même sur Branded parce que Dragoon existe. Si tu la fais pas sur Branded. Le problème, c'est que j'ai commencé par une Darmkid, donc j'ai déjà plus accès à mes chimères. Ouais. Chez Chez C'est dommage, mon ami. Vraiment, je vais finir avec ça.
C'est flingué. Eh oui, mais tu ne sais pas qu'avant même commencer, avant même de commencer ce duel, tu avais déjà perdu, mon ami. Ça te fait quoi de savoir ça? C'est pas les mains de tout à l'heure que j'avais contre Antoine, hein. Tu ne sais pas, mais moi aussi j'ai changé de deck. Hop. Je joue mon Détoon. Oh, dinguerie. Vas-y, effet pour fusion en bannissant. Vas-y. Tu kifferais là, Antoine, ou pas? Ouais, mais je pense que c'est le même problème. Ouais, ouais. Il y a un côté insaisissable. Tu peux pas le choper. C'est chiant. Alors que le chat d'Obélix. Obélix. Obélix. Le chat d'Obélix, il fait sphère de rat, là, déjà. Ah bah oui. Ça y est, il aura très certainement voilà, une posée. Attends. Et je retourne c'est en tout cas. Drôle. Stand by main. Ouais. Norme. Ouais. De toute façon, t'as pas trop ton mot à dire en fait. Ah bah, en ulti, d'OTS évidemment. Comment je m'en sors là? Ah, ça va si on a tous les deux une main horrible. Il y a mon téléphone qui a peut-être dérangé Quentin, j'ai la montre qui vibre. Ah, il est là, pardon. Il est là. Et là, tu veux faire effet pour tuto. Combien en main? 4. Not bad, hein? Not bad. Ça fait quoi d'avoir Dragoon en face de toi, Zul? Bon, je vais le manger. C'est annoncé. Alors, il peut pas être ciblé et pas... il peut pas être détruit par effet. C'est ça. Je peux passer à la battle. Je vais dire... Oh, le stress! Je vais dire ok. Merci! Pour le sub. Anumas, Anumimas, je ne sais plus. Je ne vois pas assez sur mon écran, mais merci à toi pour ton 5e mois d'abonnement. Red. Oh, un red. Effet. Oui. Merci, Sénir, pour le 15e mois. Merci à vous, les potes. J'essaie de me concentrer dans la game, vous faites trop d'abonnements, ça va plus. Continuez, continuez. Ça va te déconcentrer. Ah non. Ouah, wow, je sais pas. Je ne sais pas. Mais il va falloir savoir. Démarreur ? Oui. Je vais prendre 1002.
crâne est fait. Oh là là. Carotte. Ok. Bah, je comprends pas. Ok. Croire ou j'ai ban ? Je sais pas. Je me suis senti pousser des ailes. Alors, t'as fait sur... T'as voulu faire call by sur quoi ? Sur l'autre agile. Sur l'autre agile, ok. Je comprends. Il y a des gens, ils essayent de communiquer avec nous, mais je vais voir. Mais... C'est dans son pseudo. Hein. Je comprends pas. Et il se dit, mais comment je peux le moustique ? Ah ouais. Putain, c'est chiant. Bon, apparemment, Vin, c'est le plus de taf que prévu. Hein. Ça passe ? Mais je pense que c'est exactement ça, Ravage. Il a toutes les lignes en tête, mais il doit juste choisir laquelle et c'est compliqué d'anticiper. Attends, c'est en réseau. Ouais. La gate ? Ouais. Du coup, c'est fait. Vas-y. C'est non. Même si tu mets du silo sur les étoiles, c'est non. C'est non. Donc il y a 3002. 13-1 en main. Oui. Il n'est pas boosté, Dragoon. Non, parce que j'ai pas annulé. Ouais. Oui, j'ai voulu, mais il m'a empêché. Enfin, il a annulé mon annulation. Comme l'autre. Ah, je te pète qu'un truc si je fais ça. Je suis d'accord. Bon. Andreas jouait. Bah je suis bien. Oh. Ok.
Allez, hop, c'est pas celui-là, c'est l'autre. J'ai mis au-dessus. Battle. Oh, je sais rien ce que j'ai fait, putain. Ouais. 200. Main phase 2. Ouf. Ah ouais, ça part. La brillance. Téloquent 2. Tant pis. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Vas-y, au bout d'un moment, faut que j'apprenne. Quel connard je suis. End phase. Je récupère. Chacun son tour. Je sais plus si je t'ai fait couper, mais non. Enfin, la dark, elle est. Il te reste que ça. Bah, apparemment, ouais. Bah, c'est juste toi, t'as un deck. Moi j'ai un appart parisien. Toi t'as un HLM aussi. Toi t'as un appart parisien, moi j'ai un HLM. Ah toi. Oh quel tour de brin, putain. Quel tour de brin. Quelle version de Sprite? Une version assez classique, assez pure. Juste il a mis un petit engine Melfi en plus. Bon, mais c'est une ouais, pas de. Classique, hein. Pas de runique variante. Quel tour de brin le chat. Ouais, c'est proche de la version de Samir, je pense. C'est la version de Samir. Voilà. Combat. Bah ouais. Évidemment. Tu peux pas faire l'effet. C'est sur la norme. C'est aussi ah, quand je tape. Non, c'est aussi quand tu ah tapes. Oui. Vas-y, fais, tu me donnes tout aussi. Ouais, des minuteurs comme ça, ça se trouve un peu partout, hein, au rayon cuisine. C'est à toi. Mazur. Je t'ai pas donné un coup. Il prend 1005. Bim. Main 2. C'est n'importe quand fini. Ah bah t'as perdu. C'est fait. Ah je fais à 0 à part. Eh non. Ça me va. Norme effet. Soupapapapoli. Ce qui est con de faire en réponse. Ah non parce que... Là, t'as déjà choisi mon Dark. Ah non, c'est les monstres de l'extra, façon. Non, c'est Albaz, une carte que tu vas contrôler. Donc je vais pouvoir prendre... Hérald, donc. Ne le fais pas. Bah ouais, mais si tu me donnes tous les plays aussi, c'est... C'est pas faux, on a oublié de... C'est comme ça que t'avances, hein. T'avais spé quoi avec ton starter? Avec mon starter? Rouge. Rouge, 1002. 1002. Vas-y, je l'ai fait, donc. Comment chier une game quoi. Oh les yeux. Oh. Si je joue gamin en main. Quel gamin. Si. De Starlight. Je pense que si je joue gamin en main, la game je la gagne. Gamma burst. Ouais. C'est parce qu'elle donne des games faciles en bah, fait. Je tourne de negate. Enfin je tourne de negate avec Dragoon. Toi tu fais effet, je chaîne. C'est qui gamin. Gamma burst. La magie Kera. Ah, un jeu okay. 1002 ou 1004. Si j'ai ça sur le spot, je peux raser ton board en étant à peu près safe, je pense. Et tu devrais la jouer. Ben ouais. Au moins fort. Hein. Je vais la mettre en main, tant pis. En fait, le nombre de games qu'elle va me donner, contrairement au nombre de games qu'elle va me faire perdre, je pense que. Étant un joueur débutant. Vas-y, je te la laisse. Allez, hop, on arrête les conneries là. Là, je gagne avec un pauvre dragon, quoi. C'est triste.
terrible. Il avait joué Sprite Orof au CDF ? Ouais. Oui. Ah. Il s'était pas trop mal débrouillé. Pour quelqu'un qui démarre le jeu from scratch. Scratch, pardon. Après, il a quand même des réflexes de ces sujets. Squash. Bien sûr, Squatch. Du squash. J'avais oublié d'enlever mon plus beau main. Super. Heureusement que j'avais qu'à call by poser alors. Et ouais, c'est ça. C'est en forgeon qu'on devient forgeon. Toutes les erreurs, on dirait pas, mais toutes les erreurs, tout ce qu'il a appris aujourd'hui, c'est vraiment du bonus pour demain. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, putain. Bon, et puis lundi, on dira, oh, on s'est fait défoncer, mais c'est autre chose. Et tu vas commencer à faire son report de ronde, tu vas voir. Ouais, je gagnais une, il a gagné deux. Et après, il n'y aura plus aucun report. Ah, les gars, je suis allé faire un foot. Il y avait un terrain à côté. Il y avait de l'aquaponie, j'ai craqué, j'avais pas pu. C'est trop bien, essaye. Oh là là. Le truc, c'est qu'il n'y a rien à hanter. Donc on n'a même pas cette excuse-là. Ouais, je sais pas si... Apparemment, il y a une salle déjà à hanter. C'est déjà un miracle. Par contre, pour le score, je t'avoue que je sais pas quoi faire, Zou. De quoi ? C'est toi qui dois piger. Je vais te montrer. Je peux le mettre, je peux le mettre. Parce que moi, j'ai mis carrément le site. Je trouvais pas comment le faire. Voilà. Ah ouais. C'est bon. Dernier onglet. Ah ouais. Le score. Zul, tu te sens comment sur Sprite ? On a l'impression que tu le joues par défaut sans envie. Non, en vrai... Alors, je le joue par défaut, parce que j'ai pas trouvé d'autres decks. En vrai, je suis... Comment dire ? C'est un deck avec lequel je me sens... En fait, j'ai des plays de confort avec. Mais dès qu'on rentre dans des parties un peu complexes, j'ai rarement vu les cas de figure, et du coup, je me creuse la tête. C'est ça aussi le problème de copier une liste de quelqu'un. Ouais, sans l'avoir compris. Il y a des cartes, voilà, il y a des cartes que soit en side ou dans le main qui sont très étudiées et toi t'as pas la réflexion derrière. Donc forcément il te faut un temps d'adaptation. Il faut que t'arrives au moment où t'es confronté à ces problèmes et tu dis ah ouais mais en fait il joue ça parce que ça en fait et que du coup quand tu fais ta liste tu sais pourquoi chacune des cartes est dans ton deck. Là, tu vois, il y a des trucs où j'ai besoin de rencontrer les cas de figure et de les résoudre une fois pour être à l'aise. Et donc, pour l'instant, il faut jouer, quoi. Il faut jouer. Mais c'est clair qu'on est sur un deck... On est sur un deck un peu par défaut. Mais, mine de rien, sur les deux dernières années de Yu-Gi-Oh!, c'est peut-être le deck que... Ça fait partie des decks que j'ai le plus joué, quand même. Donc, bon. Mais tu sens que j'ai pas d'automatisme encore avec le deck, quoi. Si ce n'est la combo de base, et encore, quoi. Mannequin, par exemple, elle sert à quoi ? Bah, je me suis posé la question cette nuit. Du coup, il a pas dormi. Dans mon lit. À quoi elle servait ? Et je me suis dit que... que j'en savais rien. Non, c'est pas... Je crois que c'est genre... Tu prends une N-trap, et du coup, tu lui reborn... Et tu peux spé un mob. Par exemple, il a fait H. Ouais, non, ça, je sais, H, je sais ce qu'elle fait. Un fire. Mais j'ai pas encore vu les 4 figures. Ça veut dire que tu te prends H, tu peux faire mannequin 4, remets H sur le terrain et tu peux raise. Tu peux spé soit la carotte, soit le raid. Et évidemment, si le mec il joue cash, il est un peu embêté. Mais bon, en même temps, cash, c'est pas non plus. Ouais, c'était très intéressant au moment du CDF. Quoi. Ouais, c'était intéressant. Hein. Sur quand Cash dominait la méta. Après, il doit avoir des spots, mais je les ai pas en tête. Quoi. Après, si t'as pas encore rencontré la situation aussi. Oui, bonne chance à toi, mon ami. Merci. À toi aussi.
Alors, je vais proposer une main phase. Oui. Et non, en vrai, j'ai même pas envie de proposer une main phase. En drophase, je vais faire démarreur de sprite. Je vais faire démarreur sprite en drophase. Bien, je joue autour de Lockburn. Je vais dire effet, je vais prendre les dégâts. 1100. Il prend 1100. Main phase. Ouais. Spé. Je vais proposer une normale semaine. Pardon. On est bon ? Oui. Mais quelle tension! Ouais, quelle tension, comme tu dis. Je suis en train de me dire que j'aurais dû proposer d'autres plays. Mais... parce que Herald, c'est pas mal fort contre toi aussi, je pense. Allez, tant pis. Pourtant, le play Melfi, il l'a fait deux fois contre moi. Hein. Donc, c'est sûr, on le voit, je pense qu'il le, il sait le faire. Ah ouais, je peux faire ça. Ça, on va essayer. Je vais essayer, tiens. Comme ça, on a un deuxième castor en main. Très bien. Effet ? Oui. Cathy ? Sprint, effet. Oui. Quelle merde j'ai fait, moi. Je ne joue pas 3 lots. Je ne joue donc pas 3 lots. C'est parce que j'ai sur l'écran. Bah ouais, je suis d'accord. Elle est là. Impossible. Ah, non, bah, elle est pas dans le deck, du coup. Bon, très bien. C'est pas grave. Allez. Terrible. Je pensais avoir 3 lots dans le deck. J'en ai une en main, une dans le cimetière, et je pense en avoir une dans le deck encore. Tant pis, allez, on joue, on n'est pas là pour. Il joue 2 castors, 3 lots. Ouais, 3. Ouais, il joue 3 castors. Non, non, 3, 3. 3 de chaque. Ouais. Enfin, dans la liste que j'ai à l'écran. 3-3, ouais, ouais, mais je pensais avoir 3 lots aussi. Est-ce que c'est pas dans mon deck box? Non, pas grave. C'est bon à savoir pour demain. Je vais en rajouter un. Effet ? Oui. Effet ? Oui. Perdu dans le side, je pense pas. Non, le non, non, j'ai regardé. J'ai regardé, j'ai regardé. Je peux relire ? Ouais, je t'en prie. Je suis pas certain que c'est ce que je dois faire. N phase au spé, Cathy. Oui.
À toi, tour de merde. Ouais, je commence à... T'inquiète. La galette, Quentin. La galette. Oh. Ouais. Ça aurait pu être rigolo, ça. Il y a que deux parts, et puis le perdant, il mange pas. Le perdant meurt de faim, voilà. Il regarde. Alors, les... Le royaume des ombres. Les deux parts qui restent, c'est littéralement un quart du gâteau. Ah ouais, tant que ça, putain. Donc bon, vu qu'on a mangé friterie, friterie hier soir, McDo ce midi, je préconise... Impeccable. Je préconise la diète. Oh, on est sur une bonne lancée, je pense. Bah, il faisait froid, c'est pour ça. Ouais, il y a même un poisson agile. Non, mais je crois que c'est vraiment... Le poisson agile, je l'ai pas, par contre. Ok. Je l'ai jamais vu sur un board, le poisson agile. C'est totale découverte, je sais même pas ce qu'il fait. Bah, tu peux l'afficher, tiens. Mais je crois qu'il a un effet de spé quand il envoie aussi une chair. Je tente de rentrer en battle. Bah ouais, parce que j'ai pas mis de carottes. Fan battle. Ouais. Et bah bravo, mon ami. Bah bravo. Super. Vas-y. Main 2. Ouais. Vas-y. Super les gars, c'est un 2Z. 1-2. J'ai fait de la merde sur toute la ligne. Après, je pensais vraiment avoir une troisième lot. Non, non, elle est même pas là. Elle n'est point là. Sur ta spé, je vais faire effet Cathy. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je résous correctement Evelyn. J'avoue. T'es le mec qui t'embrouille un peu. Hérald. Ok. C'est beau gosse. Donc là, t'es content parce que je peux plus te hache. J'avoue. Je vais faire brand dead fusion, tu vas me la negate et... Alors. Et tu vas tuer toi en plus un truc. Si tu l'as pas open. En vrai j'aime bien le petit rajout du sort à vis. Sort aux questions. Ouais, c'est pas mal. C'est sûr. Qui empêche un ciblage. Ouais. De mes monstres. Par non. Effet. Oh. Ouais. Quelqu'un arrête. Tac. Deux en main, dont Soravis. Te fous pas trop de ma gueule, s'il te plaît. Pourquoi j'ai activé tragédie? Banni face verso, par contre. Pourquoi il peut plus H? Il pouvait plus H tant qu'il y avait le Herald sur le terrain, parce que le Herald il dit que les cartes elles sont bannies si elles sont envoyées de la main ou du deck au cimetière. Or H elle nécessite d'être défaussée et envoyée au cimetière. Bah oui. Donc il peut pas l'activer. Gros. Stand by main. Ouais. Norm. Oh là là. Ouais. T'as combien en main? 3. T'as 3. T'as 3 en main. Sprint, effet? Oui. Je
Ouais, tu peux H ou Herald. Ok. Ah, ok. Ça demande défausser pour envoyer aussi. Pardon. Antoine n'a pas H sous les yeux, surtout. T'as quoi, NPV ? La totale. Je confirme. Effet ? Oui. T'as 8000 ? C'est-à-dire qu'il resterait 400 si je prends le gamma que j'ai pas mis du coup. Effet. Je vais prendre 1000. Je vais dire battle. Ouais. But phase. 1100, oui. 1200, 1300, 1600. Alors, 3003. Non, 2003. 3006. 4006, 5002. 5002 au total. C'est ce que je compte. Et je vais faire... On met une phase 2. Et c'est à toi. Standby. Ouais. Main. Ouais. T'as combien, là ? Toujours 3. C'est déploiement fusion ? Oui. T'as révélé qui ? Sans réseau. Ah, sans réseau. Ah ouais. Ah, j'avoue qu'IP elle aurait été peut-être mieux. J'ai pas IP dans le deck. Vas-y. Alibitum, s'il est utilisé comme un matériel. Donc, s'il est utilisé en matos fusion, ce qui n'est pas le cas ici, je peux reborn à Despia ou une fusion minimum niveau 8. Je vais faire rouge. Pourquoi t'as pas SP ? Parce que quand il va revenir en prochaine standby, tu vas pouvoir refaire son effet ? Non. Non, il revient à la end phase, lui. Ah, c'est en end phase ? Ouais. Okay. Et c'est pas une invoque. C'est juste qu'il revient. Ok, bah j'ai pas... Je crois que... Je sais pas pourquoi j'étais sur...
Ah si, je cale une phase. Je vais reposer. Tu reposes. Avec l'effet de tragédie. Fusion. Ok. On est. Non, mais fait. Oh. Ouais, bah vas-y, hein. Ok. Ok, ok. Ah ouais, SP, ça revient en end phase. Ah ouais, donc c'était effectivement le meilleur move. C'était le meilleur move. Et ça me permettait de garder rouge pour ça. Okay. Et ben on apprend, hein. C'est bien. C'est bien. On vient de loin, hein. Et par tous les chemins, on y revient. Mais qu'est-ce que t'as dans le cœur? Quelque part. J'ai des vents. Non, c'est quoi? Nan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 i. Je viens du sud. Faux. T'as fait ta tuto, c'est ça? Oui, j'ai tuto. Et tu battles ici. En 500. Ok. Une phase 2? Une phase. T'as 7? Elle se dit, mais pourquoi elle active pas sa fusion chimère? Eh bien, t'as une en main, Quentin, là? Ouais. Ah, tout s'explique. C'est très simple. Je vais laisser cogiter. Drop. Standby, main. Ouais. Castor Achille. Il en a 40 dans le deck des castors. Apparemment, ouais. Bon, attends, parce que je fais le Mario. Je fais le mariole, mais... Ouais, c'est pas fou quand même. C'est pas fou, ok. La famoso. Ok. Je vais pas faire son effet parce que soit il va pouvoir tuto une brandée de fût, soit il va pouvoir faire une fusion, donc battle. D'accord. Pardon, fan main. Est-ce que je peux la faire quand main? Alors, est-ce que tu peux me... C'est uniquement main phase, c'est une magie rapide. Ouais. Je peux invoquer par fusion mon fusion de mon extra en histoire des matos depuis ma main ou terrain comme matériel. Un monstre bête ou démon inclus. Main ou terrain, bah je vais faire SP. Bah voilà, bah t'es trop fort. Oh super. Super. Pour ça que je pouvais pas le faire. Pas, non. Pour ça que je pouvais pas le faire. Ok. Parce par contre que... je te tue pas. Boss 2008, je suis au top deck et je peux pas l'invoquer, Berfobet. Ok. Last one. Combien au time? 3 minutes. Le temps de s'aider et... Bah GG, un Stradro. Ah, et t'as dit ça contre moi, au final il a pas réussi. Hein? Ça fait si, un partout là. Bah, c'est ce que je te dis. Ça fait un partout 3. Et je prends la main. J'ai pas de burn. Je vais faire Masquerade qui va me prendre un million d'années à faire. Ok. Donc ça ne sert à rien. Et bah bien joué QC. Un partout. En vrai j'ai appris des trucs. Hein. Notamment que la SP elle fait revenir en end phase et non en stand-by adverse. Je sais pas pourquoi je t'ai resté là-dessus. Par contre, avant d'oublier, je vais tout de suite aller chercher une lotte en fait. Cette lotte qui m'a mis dans le mal. La. Pourquoi j'en ai agile. Deux. J'en ai deux et quatre castors, je comprends pas. On est d'accord contre toi, ça c'est fort. Oui. Et ça c'est intéressant ou pas? Ah ouais. Oui. Okay. Surtout. De toute façon, avec... c'est intéressant contre surtout tout. Surtout vu ma version. Ok. Enfin si. Ok. Eh ben écoutez. On fait quoi les gars, on cycle là, on voulait refaire des duels. C'est toi le chef. Wow. Moi je suis chaud. Moi je suis chaud pour jouer un peu de tir là. Voilà. Bah là la prochaine étape c'est. Bah du coup je suis moins chaud.
Non, non, c'est... j'ai envie de jouer. Eh ben... Comme tu veux, toi. Enfin, une post-galette aussi. En vrai, on peut se relayer, chez un casse-tonton, on va manger. Hein. Non. Oh, la post-galette. Ouais, on va manger ensemble. Ouais. On va manger ensemble. Eh ben, écoute, si tu veux affronter du tir, go. Ou tu veux peut-être affronter un branded. Qu'importe. Qu'est-ce que tu veux... Non, mais tir, c'est bien. On n'a pas fait aujourd'hui. Allez, bah, let's go. Let's go, tu peux te... te présenter à la table de duel. Je peux venir me faire défoncer. Je suis invité cordialement. Et moi, il faut que je trouve une lotte, alors. Où est-ce qu'elle est, ma lotte? Où est-ce qu'elle est, ma lotte? Quoi, ma lotte? Qu'est-ce qu'elle a, ma lotte? 4, 5, 6, trouver le karaoké 7, de la jet 8, prod. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Super! On est bien! Magnifique! 16 cartes dans le side. Alors, qu'est-ce qui dégage? Il a ça en fois 1 dans son deck? Okay. Je pense. Hop, hop, je rends ça dans ma boîte. Tiens, tu peux mettre juste QC contre Antoine et remettre les points de vie à 0, le temps que je cherche ma lotte du coup. Hop là. Je pensais que duel ça remettait à 0. Duel ça met à jour les points de vie qui sont affichés. Que t'as noté. Okay. Ça met les deux en même temps. Okay. C'est pas très explicite. Il va pimper son dé et qu'il a trouvé une carotte en ultra. Du coup, je veux pas que tu attrapes mon deck qui est derrière toi. Ah, j'ai trouvé une super carte. Pourquoi je la joue pas? OMG, mais joue-la. C'est trop bien, tu peux y demander deux. Moi aussi, je voudrais jouer Dentir. Dentir, tu joues tout, quoi. Là, là, là. Ah, là. Là, 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 là. Merci. N'encouragez pas, s'il vous plaît. Je peux vous la mettre. Il y a trop de trucs. Titre. Tu poses ce toon. Non, tu poses ce toon, oui. Bah attends, je vais lui demander, t'as envoyé ta décliffe à faire. Ah, j'ai oublié. Ouais, faut faire avant 23. Avant 23h59. Ça, c'est un truc que je suis capable d'oublier. Secours. Ça va être fun demain quand je vais valider 180 decklists. Bah, en théorie, c'est déjà fait avec Noren, non? Oui, en gros, ce qui est cool, c'est que samedi, machin a mis sa decklist, aucune erreur détectée. Ça, j'ai vu ça, valider. Ah, tu fais que valider 180 ouais. fois, quoi. Ouais. Je peux faire des valides. Des validations de masse, ça va. Bien sûr. Et après, il va chercher celui qui a oublié de le faire. Et tu vas me dire, à monter, il te paye 10 000 euros pour ça. Mais c'est n'importe quoi. 9 000. J'ai pas eu plus. Pfff. Là, le budget était serré, j'ai eu que 9 000. Tu me diras, Franck, c'est pire à son taf. Tu vas, allez, vas-y. Oh, grand seigneur! Je peux lancer le dé en premier. Ouais. C'est en dessous. J'ai eu une montée de... Il était cassé. Non, vas-y. C'est bon. Oh, je vais commencer, incroyable. C'était pas cassé, c'était clairement visible. Dites à Zul de mater son téléphone. Ok. Vince. C'est sûr. J'ai cru voir dans les messages un contrepoids. Main. Ouais, main, ok. Oh là là, mon pote. Effet. Bah vas-y. Ok, j'ai trouvé ma troisième lot. Alors, qu'est-ce qu'il veut Vince, du coup? Un câble HDMI?
il dégoûte, il n'y a plus sub. Quelque chose en réseau. Ouais, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il faut juste pas oublier de le prendre. Et fait rire. Vas-y. Ok, je passe juste AFK bio vite fait. Hop. Merde. Ok. Ok. J'active. Hop. Bon, je reviens, les gars. Ouais. Fait. Vas-y. C'est un cost même de défaut, ça, en vrai. Ouais, j'ai réfléchi du coup au cost. Ouais. C'est bon réseau. Ouais. Trois mains. Ouais. Je vais faire une paire. Pour l'OSP, ouais. ML2. Vas-y. ML3, mais c'est une nouvelle chaîne. Tu peux. Sheron pour fusion. Je chaîne Didi Cro dessus. Trois fois que je le fais. Ça va être jamais au secours. Wow, cake, c'est lui. Lui, je peux détacher à faire deux tokens, niveau 3. Ok. J'ai deux tokens, tu fais quoi? Cher Rubin. Effet cost. Ouais. Alors, le cost était d'envoyer une carte du deck aussi, mais l'effet c'est quoi du coup? L'effet, on s'en gagne de l'attaque. Il gagne de l'attaque. Ouais, okay. Sprint d'effet. Vas-y. Allié fait. Vas-y. Roule Kalos. Draw. Stand by main. Ouais. Attends, c'est...
J'ai activé Sanctuaire et j'ai refait. Je mets l'île. J'ai déjà fait de l'île. Oui. Garonix. Effet Garonix. Réfléchis. Tu vas tenter de le spé. Roule Kalos. Ouais. Réfléchis. Il va te rester deux en main. Ça annule des trucs, juste annule. Annule activation, détruisez. Il est annulé. Annulation d'activation des trucs. Réseau F10. Ouais. Désolé, me revois Al. Il y a eu des points de vie d'enlever ? Non. Merci Narouk, merci King of the Kebab aussi. King of the Kebab, merci. Tout merveux pour cette année, désolé du retard. Et bah, t'es encore dans les temps. Normalement, t'as jusqu'au mois de février pour souhaiter la bonne année. Non. Donc... Ouais. Donc t'es dans les temps. Hein. Battle. Ouais. T'es large dans les temps. Battle spin. 400. J'étais là en mode ah, il joue mon sprite. Main 2. Pose 1. Il a pris combien? 400. 400, ça va. Il est bien. Il y a ça où tu récupères en plus. Ouais. Il va falloir que je trouve des pochettes, ouais. Moi aussi. Stand by. Il fait Ponyx. Tu peux récupérer Ponyx. On va se cacher. Ça y est les gars, j'ai 3 lots dans mon deck, let's go. Incroyable. Let's go le chat, j'ai 3 lots. Truc de ouf. Bon le chat, faut pas que j'oublie de prendre mon trépied girafe pour Vince demain. Ouais. On met le 3, 4. Pense à t'hydrater, Zo. Il joue quoi avec Roi du Feu, Jabal Star. Effet cri. Pardon, je leur rebande d'abord. Deux Kirin. Deux Kirin, c'est chiant ça. Il est pas mal, Garenix. Krakus est le maître des tirs. Du coup, il fait cri pour tuer un trap. Vas-y. Pam, 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 pam. Ouf. En vrai, je m'attendais pas à ça. Vas-y. Pas autant de tryhard de votre part. En 48 heures, ça fait plaisir. Bah écoute, ça donne. Hein. Après, quand tu dis qu'un BO3, c'est une heure, bah ça va vite. Hein. Ça va archi vite. Ça va archi vite le chat. Bon bah. Ouais, t'as l'étal.
Enfin, dire que j'ai acheté 3 Imsati là. Pour pas jouer le deck. Mais ça, ça sera bon pour mon Sliffer FTK, c'est bon. Il sera joué. Le chat, vous avez tous envie de voir mon Sliffer FTK, bien sûr. Ça, tu pourras le jouer à la prochaine sortie, c'est ça? Ouais. Ça sort quand, Maze? Semaine prochaine. Enfin, à quelques jours près, là. Après, je suis content parce que Maze, avec la piège rollback, là, la brinde va être encore plus jouée, là. Ça va être casse-tête, quoi. Ça va être casse-tête. T'as genre pas pu sortir le combo Draco Sac chez Rubin. Incroyable. Oh là là, je l'ai pas vu! Je l'ai pas vu! Terrible! Est-ce que je rentre Skater Shot? Non. Oh, si la game elle est un peu longue. Un peu beaucoup. C'est dur, si elle ne s'arrête jamais en fait. Si elle ne s'arrête jamais. Moi, je vais jouer un petit sprite. J'ai envie de rentrer une dinguerie dedans, mais je trouve pas quoi. Une petite dinguerie dans sprite. Qu'est-ce qu'on peut rentrer comme dinguerie dans sprite, le chat? Un dragon blanc aux yeux bleus. C'est le mec qui a rien compris. Ça manque d'un obélisque. C'est le move. Il fait. Comment ça s'appelle? Sacrifice inutile. Envoie la lotte. Spell les deux. Les deux castors, sacrifie les deux. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Fin de tour. 7-1 fin de tour. Un engine god. Ouais, je sais pas trop si ça combatte beaucoup avec starter sprite et gigantique, mais je vais y réfléchir. Bah, Raigeki contre Fire King, ça a pas l'air fou quand même. Putain, trop marrant. Bouge pas, Antoine. Et regarde le retour. On a l'impression que t'as deux sleeves bleus et deux sleeves rouges. Qu'est-ce que. Quoi? Ta main là que t'as posée devant toi. Ouais. Avec les reflets de la lumière, on dirait que t'as deux sleeves rouges et deux sleeves bleus. Ouais, bon, c'est juste un tricheur. Hein. Il a marqué ses cartes! Non, mais alors, c'est... la robe, elle est bleue ou elle est dorée? J'ai la ref. Mais non, c'est les sleeves de Master Duel qui changent de couleur. Ouais. C'est rigolo. Ah, il l'a plus, là, mince. Keiju pour OTK avec Moustique. Tu peux aussi reborn une hache en mode attaque de ton adversaire et spé un Keiju feu à 3000 pour passer dessus. Ouais, je suis pas convaincu. Demain, je vais arriver avec Obélisque. Personne va rien comprendre. Ah, j'avoue, il y a Ibly. C'est plus joué, Ibly. Oh. Ibly. J'en vois pas, en tout cas. Ah, c'est qui se... Ibly. Je sais plus quoi, là. Le monstre effet qui va sur le terrain adverse. Je crois pas. Hein. Pourquoi c'est plus joué? Je sais pas. Je crois que ton deck peut le jouer. Bah ouais, je sais. Mais pourquoi c'est plus joué? Je vais la chercher, hein. Parce que les decks principaux de la méta jouent des liens. Ouais, mais il faut une lien Cybers, non? Ouais, mais bon, t'as Wolf. Hein. T'as Wolf, t'as. Allez, niveau 1 ou pas? Niveau 2. 1 ou 2, je sais plus. Calme. Non, c'est pas. Non. Bref. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre lien dans votre cimetière et invoquer-le spécialement sur votre terrain. Cette carte contrôlée par son propriétaire est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur le terrain. Standby main? Ouais. Effet. Vous ne pouvez pas invoquer de monstres. Monstre lien exclu. Ah oui, donc c'était même pas lock en cyber ce lien. C'est juste un monstre lien. Ouais, c'est nul quoi. Réseau ok? Ouais. Bon, j'active alors. Cost. Parce qu'il n'y a rien qui dit que t'es lock en Cybers, en fait. Phoenix, effet Phoenix. Ouais. C'est quoi Click Echo et Cool Zone? Qu'est-ce que tu...
Sanctuary. Je crois que c'est un mob en forme de dauphin. Ouais. Active effet. Île. Effet de l'île. Ouais. Garu. Effet Garunix. Effet Garu. Ouais. Orong. De phase. Vous devez garder la main révélée. Ça, c'est intéressant. Draw. Ouais. Après, c'était intéressant qu'on le cache. Du coup, en stand-by, beaucoup moins contre ça. Tuto reprendre. C'est tout. Ok. Stand. Effet Ponyx. Ouais. Effet Baron. Ouais. C'est qu'il y a la Speedroid qui est repassée à 2. La Terror Top. Mais bon, c'est pas ce qui va me faire rejouer Harpie, ça. Main. Ouais. Ouais, t'inquiète, Buzy, c'est moi qui ai dit Cybers, mais c'était Locklear. C'est pas folle la main. Bah Mulligan, il recommence. Bah Horus, des fois ça donne des trucs bizarres. Ton adversaire reste la main révélée, tu anticipes ses plays. Ouais, mais du coup il faut connaître tous les decks, tu vois ce que je veux dire. Déjà que pour anticiper les plays, il faut connaître les decks quoi. Vas-y. Mais je vois, ça va être intéressant quand même. Alors, Foolish Burial. Alors, il est où le deck tier ? Là. Le petit Foolish. Alors, Foolish pour QC, pour envoyer le tir cash. Ça veut meul. Qui veut meul. Oui, tu sens que le mec, il a besoin de toucher un truc. Aguido n'existe plus. Ouais, j'avoue. Très bien. Tu passes d'une meul 5 à une meul 2. Et elle meul 3 quand elle est spé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était celui-là. C'est quoi la carte en dessous du rescue? C'est le même. Mais c'est une fois par tour, donc... Non, il n'y a pas l'endroit où on peut retrouver mes decks rétro, Benji, je suis désolé. Vas-y. Attends, si tu fais ça... Ah, tu peux regarder peut-être là. J'ai mis un lien. C'est peut-être pas les versions à jour, mais... L'avenir, c'est fait. Vas-y. Toonburn va gagner le double SQ. Bah, faudrait que je le joue pour ça. Intéressant. Il faut trop qu'on essaie de se faire un live où j'essaie de rendre jouable Toonburn et où je vous montre mon sliffer FTK. J'entends des trucs dans les oreilles, ça me déconcentre. Un gamme, ça. On peut essayer de se faire ça. Réseau. Ouais. Kaleido. Targ. Bah. Il targ au moins. Vixouille, c'est le chat d'obélisque. Hein. Ça fait chier. Garenix, il fait quoi que les pété? Rien. Je vais chaîne Kirin. Ah oui, ça pourquoi pas, quel con. Je
shuffle dans le deck. Mais bon, il est pas du tout méta, quoi. Pas besoin de... Putain, je suis con, du coup, il est pas détruit. Non. Ça sert à rien ce que je fais. Bagarre Unix. Bon, je chaîne. Ok. Ça marche. En réseau. Tu t'entraînes jamais à faire des mains solo. Si. Si, si. Réseau. Phonix. C'est rare, mais... SP, effet Phonix. Ouais. Ils n'ont aucun effet sur le terrain, les deux. Là. Ils sont juste en mode défense. En mode détruis-moi, s'il te plaît. Non, magicien sombre, c'est pas méta du tout, Gribaud. Donc lui, même si je pète un battle, tu récupères. Ouais. Et lui ? Lui, c'est pire parce qu'il va péter un SP. Après, il y a des decks marrants avec magicien sombre, Diable Star. Okay. Ah, ça. Ouh, gamme ciel. T'as deux en main. Ah, tu vois. T'as deux en main, du coup, là. Non, j'ai jamais joué Tirementation, mais tire les meutes, mais je pense que ça pourrait me plaire. Je prends 800 zoul. Ouais. Ok. À toi. Draw. Je sais pas ce qu'il a fait, Quentin, là. T'as pas l'air d'avoir une bonne main. Oh. Stand by main. Des doublons de cartes, ouais. Terrain. Oui. Le plan est pas mal. Hein ? Le plan est pas mal. Normarvata ? Pardon, j'ai des conneries. J'ai fait Garonix aussi. Oui. J'ai fait Garonix. Bah Rami, considère ça comme étant des free spots et tu mets ce que tu veux, n'importe quelle entrap. Mais il était cool, Invoke Dogma Shadow, c'est... Quel deck de fou. En vrai, c'est sympa. Bah ouais, toi, contre Despia, t'es heureux, non? Non, mais j'ai surtout joué ce deck. Ah. Kirin, effet Kirin. Invoke Dogma Shadow, Edlish. Magnifique kebab. Edlish, hein? T'as joué du Edlish dedans, non? Oh, la croix, effet. T'as joué du Edlish dedans, non? Je te crois pas. Belle. Oui, bien sûr. Non. Et c'est maintenant que tu me le dis. Coupe. Je vais jouer ça demain. Allez, la scoop phase. Du scoop côté de phase. La fameuse scoop phase. La on part phase. En skater vu le temps. Putain, on voit pas le time cette game. C'est fou, hein. Ah, c'est rare. Il y a combien? 1-0? Il y a un partout. Ah, pardon. Je me disais bien, j'avais manqué un truc. Ah, il reste 20 minutes pour jouer, mais oh là là, le confort! Il faut que je rende les centurions à Vince, du coup. Et il faut qu'il me rende mes hydrants à Duc. Je serais toi, je les renverrai par la poste dans le même état que je les ai eus. Bof. Pas envie qu'ils me disent bah je les ai pas reçus ou ils sont défoncés. Je préfère lui donner gentiment demain en mode tiens, reprends tes cartes. Un point en moins. Peut-être que j'ai scoop trop vite le deck, hein, mais bon. Peut-être. Alors comment se passe cet entraînement? Bah écoute. Ça va, il faut jouer, hein. Il faut... De toute façon, Yu-Gi-Oh! C'est le jeu où il faut forger pour devenir forgeron. Donc... Est-ce que vous êtes d'accord? Total. En fait, tu peux faire autant de théorie que tu veux si tu pratiques pas. Il faut un peu de théorie, c'est bien. Hein. Mais il faut un peu des deux, quoi. Rien ne vaut l'expérience. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, t'as besoin d'être confronté aux problématiques et de prendre du temps pour les résoudre en entraînement
pour qu'en match, quand t'es de nouveau confronté à la même problématique, ouais, tu dis, rappelle. Ok, ça je l'ai déjà vécu, j'ai fait ça, ça avait bien marché. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as des automatismes. Et c'est là, quand tu déroules comme ça, quand t'es dans le confort. On a très bien vu l'exemple tout à l'heure quand QC avait un board avec Dragoon et où j'étais là en mode oh, qu'est-ce que je dois faire et tout, machin et tout. Je sais qu'il y a moyen de tuer, mais quelle est la version la plus opti de le faire? Oh, wow, j'étais perdu quoi. Direct, bim bam boum. Ok. Ouais. Pourquoi tu fais pas Umseti des fausses sarcophages? Attends, Jouka. Je sais pas si t'étais mieux ou quoi. Après, si tu prends H, t'es dans la merde, mais. Ouais, ça aussi. Parce que ça creuse ton deck en fait. Attends. Faire ça pour tuto sarcophage? Ouais. Et droit? Non, mais du coup, il a un 100 en moins aussi. Je perds des cartes en marche en faisant ça. Bah, t'as la droit. Ah bon? En vrai, non, s'il y a pas H, t'as la droit, donc c'est pareil. Mais... Bah ouais, ça creuse ton deck un peu, mais bon, j'avoue que c'est risqué. Cash, ouais. Ça, c'est clair. Aperm, H. Non, vas-y. On est d'accord que Ghost Bell, c'est super fort contre Sarko. Non. C'est Ogre ou Bell? Ogre, ouais. Ogre, bah, c'est pour Ogre, le péter, ouais, c'est fort. Oui. Je confonds toujours les deux. Holo. Les trois free spots utiles contre toi sont révélés. Pécale. qu'est-ce que je reboard? Ah ouais, Nib. Alors, sinon, un bon gros deck rang 8 bien bourrin au TK avec le package Horus. Alors, je crois que Antoine a déjà testé. C'est rigolo. Est-ce que je veux des Fire? Je crois pas. Ah, tu veux choper une Negate? Effet cri pour tuto. Vas-y. Ça, c'est la counter trap. Avec des potes, on se réunit. On s'est remis à Yu-Gi-Oh! Quasiment en même temps, on se réunit trois fois par mois pour s'éclater. C'est pas des decks méta, mais c'est le feu Yu-Gi-Oh! C'est ça aussi, se friter avec ses potes. Non, mais c'est trop bien ça. Ça, le truc que tu décris, c'est la meilleure période de Yu-Gi-Oh! Quand tu reprends, que tout le monde est motivé et tout. Et que vous avez tous les mêmes objectifs. Peu importe ce que vous jouez, si vous jouez méta, pas méta, rétro, speed duel, duel links, peu importe, bref, on s'en branle. Tant que vous êtes les trois sur la même longueur d'onde, c'est trop bien. Bah, le plus kiffant, c'est qu'ils démarrent en même temps en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Gros avantage. C'est ça. Ouais, mais ils pourraient démarrer en même temps, et un qui préfère le rétro, ouais. L'autre qui préfère le méta, l'autre qui est là, ah non, venez sur Master Duel, tu vois. Alors Vince, comment Vince a trouvé la baraque à frites hier? Il a pas kiffé. Et il a goûté la galette, il a pas kiffé non plus. Ah, il est vite parti de Dunkerque. Ouais. Ah, pour Foolish 2 pour tuto un tir. Vas-y. Ça vaut le coup pour Fire King de side 3 cyclones cosmiques contre ou quand tu joues Fire King? Je pense que tu dis contre Fire King. Qu'est-ce que tu veux baiser le terrain? Ouais, le terrain, c'est pas... Bah, c'est force à proc tous les effets entre guillemets, quoi. Et encore. Bah, après, autant en mettre plus mot, non? Ouais, c'est pareil. Chez Iron Effet? J'ai rien fait, oui. En plus, les frites, elles étaient bonnes, non? Je les ai mangées froides et j'ai bien kiffé, donc... Je suis désolé, mais le principe de crème au beurre, ça m'a choqué. Mais tout le monde a kiffé, donc c'est moi le chou. En fait, le problème, Vin, c'est qu'on t'a présenté ça comme étant une crème au beurre. Et quand tu présentes ça, une crème au beurre à quelqu'un, on dit, wow, c'est bizarre. Alors que si on t'avait rien dit, peut-être que t'aurais kiffé. On aurait dû dire c'est la crème du chef. C'est bon réseau. Vas-y. Quel chien. Ouais, vas-y. Ça proc pareil, non?
Non, c'est un cost. Okay. Et de toute façon, j'ai déjà fait son effet. Bon, il voit que ça reviendra quoi, mon micro. Tu vas pas le laisser quand même. On rappelle que Vince n'aime pas la raclette. Ah, non. Ouais, bah donc voilà, effectivement, ah ouais, t'as tout compris. Là, c'est chaud. Oh zut, en tout cas, le kiff quand Franck est venu cet été manger dans mon resto. Ah ouais? T'as quoi comme resto et où, Mika Cyber? Dommage que j'avais pas de carte à dédicacer. Bon, fais gaffe, si tu lui donnes une carte à dédicacer, il serait capable de te la chourer. Hein. Ah, ou d'essayer des trucs pas très orthodoxes dessus. Faites gaffe à vous, hein. Vas-y. T'as full board. Ah. Merli est fait. Ouais. QC avec son superbe Pool Master Duel exclusif magnifique. Entre parenthèses, Vince qui dit j'en ai eu au trade, n'hésitez pas. J'en ai au trade. Mais le mec, c'est vraiment un marchand de tapis, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Je cherche les autres, Vince, n'hésite pas, aide-moi. Merci, Sleep, pour ton 21e mois. Merci à tous pour votre soutien sur la chaîne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas live avec le giga tournage que j'ai eu au mois de décembre. Bon, ouais, vous aurez bientôt cool. Des nouvelles. Dro. Bientôt. Bientôt. Stand by main. Ouais. Alors, est-ce qu'Antoine peut remonter ce board? J'ai activé Ponyx, j'aurais fait. Non, Ponyx, j'aurais fait. Avnis. Vas-y. Je l'ai tuto. Ouais, tu le sors tôt, c'est pour ça que je suis surpris. Ok, negate. Oh. Vas-y. Alors, ça va chercher la magie continue pour Antoine. Pardon ? J'ai pas vu ce thème. C'est chiant ça. Ce bon vieux Keldo. Putain. Et sympa Keldo. Parfait, quoi. C'est un bon pote. Ah, j'avoue, le shuffler là. Yes. Miam. Miam. Miam, miam. Ça va activer Call by the Grave. Active effet. Oui. Il est où ton branded QC? Bah attends, il peut pas jouer tout le temps branded quand même. Je me deal. Fail. C'est un milliard en main. 5. Le problème c'est que si je negate, tu peux empêcher la destruction en pétant un fire. Ça te fait tuto. Tu détruis et tu tuto. Ouais. En gros, dans tous les cas, tu détruis un fire. Je veux dire, ok. Je m'y attendais pas. C'est Kirin, ça? Je peux pas, ouais. T'as vu. Ouais, j'ai pas vu. Tu pètes avec le terrain, là, on est d'accord. Ouais, ouais. Du coup, réseau effet Garou. Oui. Effet Garou. Pour tes crapauds, cost. J'ai retiré du qu'il fallait faire sur la main de Garunix. Non, sur l'effet sur le terrain. Oui. T'as dit exactement l'inverse. Non, j'ai dit à l'invoque de Garunix. Ah. Chen. Oh. Ça, target ça. Ah. Près de la plante a déjà été fait? Non. C'est la counter. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que je contrôle Visa soit un tir, j'annule l'activation. Si je le fais, je mélange la carte dans le deck. J'envoie un monstre depuis ma main au cimetière. Ok.
C'est chiant. Je pense que c'est Twitter. Tu joues Nib contre... Ça aurait pu prendre Kavnis. Ouais, mais jamais il fait 5 invoques. Je pense qu'il aurait pu pour essayer de gérer mon board. Ah, cette game! En détruisant. Ouais. Donc là, ce sera forcément de la main. Bien joué. Ok. Il a un truc à l'invoque? Non. Il fait sprint. Le boons. Ouais. La quick spell et shuffle dans le deck. Watering to the end. Like oui, c'est shuffle dans le deck, shuffle, tu l'as mis okay. Au cimetière. Ouais. Vas-y, shuffle. Je change pas mal de trucs. Ouais. Effectivement, parce qu'elle sert de protect aussi. Non, t'as tout. Allez, vous reste 8 minutes pour finir la game. Je vais dire une phase. C'est un effet rapide, du coup, tu pourrais le faire aussi pendant mon tour. De quoi tu parles? Kirin. Ouais, oui. Je pioche. Oh mais regardez comment il a pioché sa carte. Pfiou. Tel un ninja avec son shuriken. Stand by. Ponyx est fait. Ah putain je suis con. Y'a que Ponyx? Y'a que Ponyx. De toute façon je sais que t'as... Attends. Si Ponyx est détruit il se passe rien. Si Ponyx est détruit il se passe rien. Ouais tu peux le récupérer. C'est gentil. J'ai le cœur sur la main. Et t'as quoi comme resto à Saint-Omer? Tu peux me spéculer. T'as le fameux Franck de Yu-Gi-Oh! Quoi. Vous savez, quand j'ai vu Franck signer des dédicacés des deckbox au championnat de France, j'étais là en mode waouh, quel roi quoi! Quel roi! Évidemment, il en faisait des caisses. En 6 mois, c'est devenu quelqu'un de beau. Quelqu'un, c'est beau. Une brasserie initiale, la BF. Ok, je connais pas. Si je passe un Santo une fois. Une fouée. Plus fort, c'est Albaz classique ou Albaz chimère. Bah ça, après, c'est une question de préférence, de méta aussi. C'est qu'il est concentré. Il vous reste plus que 6 minutes. En fait, j'essaye de prévenir l'arrivée de Kirin, mais. Kirin. Allez, il est temps de s'arrêter là, les gars. Je crois que malheureusement. J'ai rien. Désolé, je fais de la pub. Oh, il n'y a aucun problème, Mika Cyber. Si, on peut, si les gens peuvent aller se régaler main, chez toi. Je hein. Réseau. QC 100% de game au time, je veux pas balancer. Effet cœur unique aussi. Pour réinvoquer. Ouais. Pas de beau choix. Oh, les accusations sont graves, hein. Vince. Tu fais ton shuffler, hein. C'est 3 cartes qui remet. Jusqu'à 3, ouais. Jusqu'à 3. Ce relou. Shuffler est fort dans le match-up. Et Dark. Ok, on a toujours en main. Battle. On y est. Je veux dire effet clair. Ouais. Et tu peux détruire un, c'est ça? Ouais, je réfléchis. J'étais près d'apprendre. Oh, mais le casse, ta question hein. Est particulière. Quel deck ou engine pour accès facile à des synchros 8 et 10 sais. Plein de decks qui peuvent faire ça. Tu peux jouer Horus avec les visions. Sword Soul, Managium, ouais. Centurion, c'est 12.
Mais Sword Soul le fait bien, ouais. Le nouveau playmat 25 ans Yugi Kaiba, il fait rêver, je trouve. J'ai pas vu. Toute la famille ou pas? Non, pas toute la famille. Aizad Turbo Synchro 10, ok. Après, c'est moins compétitif, mais. C'est trop tendu. Je vais dire oui, ok. FR Vata. Donc, je prends 1002 FR Vata, Target. Target Kirin. Pour invoquer ? Ouais. Ouais. Wow. Main 2 ? Ouais. Compliqué pour Antoine, là ? De ouf. Comme chaque connard. Hop. J'aurais pu invoquer avant. Tu as vu la nouvelle Diablo Star ? Non, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu la photo, mais j'ai pas, je me suis pas intéressé à la carte. Ouais. Et draw. Et Inch'Allah. Allez, on va suivre quand même. Allez. Le money time de cette game, il reste 3 minutes. Tout pile. C'est au tour d'Antoine de jouer. Il a au moins 1200 de dégâts à faire. S'il veut espérer pouvoir remporter cette game. La Wanted ici, qui est joué ? Jabel. Pour aller spé la Jabel. Non, ça l'a. L'ajoute à la main, pardon. Ta tuto Diablo Star, ouais. C'est bien fait. Ok. Annule et okay. Détruit. Ça détruit. Annule. Ok. Et j'envoie un tir. Ouais. Effet pour fusion. Vas-y. Mais tous les gens du chat sont sur la veste de QC en mode « Mais pourquoi tu joues pas Branded ? Mais pourquoi tu joues pas Hero ? Mais ça va, laissez-le aussi, genre !» Par pitié. Nouvelle chaîne, Kaleido, cible Diablo Star. Pour un shuffle. Ouais. Ouais. Ça va être complexe. T'as un en main ? Ouais. Ah ouais. Ça va être très très complexe même. 1 minute et 15 secondes à partir de maintenant. Ouais. Ouh ! La super popo ! La super poli ! C'est pas utilisable en matos fusion. C'est pas utilisable en matos fusion ? Ouais. Non, déconne. Donc c'est ça ou ça ? Non, je peux baiser. Première ligne. C'est vrai. Ah, je savais pas. Ah non ! Je savais pas non plus. Et la counter, je pouvais pas répondre, quoi qu'il arrive. Non, c'est tu pas une counter. Hein. Ah, c'est pas une counter. Ah putain. Ah, baisé. Ah, c'est peut-être moi qui ai dit la counter. Ouais. Peut-être moi qui t'ai induit en erreur. C'est pas grave. Désolé. Non, non, bah tu joues sur ça. Je peux pas revenir, j'ai aucune target. Oh, la super poly en gold. Après, t'aurais proc à Venice pour justement ramener Kaleido. Ouais, ouais, bien sûr. Je suis super. Bon, cool. Et donc victoire ici pour QC. Kaleido, il cible. Kaleido cible. Ouais, j'avais. Je suis deg. Ma dragon passe fire. J'ai l'île en main. Effet de l'île, je le pète et je repars sur Garunix. Oh, ça peut être intéressant. Attends, j'avais ça. Fuck. Tu voulais faire quoi ? Utiliser en gros, ces deux-là ? Non, du tout. J'ai ça. Non, non, ça va, il a gagné. Non, non, il a gagné. Non, mais ce que ça dit, QC qui va se prendre les doigts de ne pas avoir rentré scatter shot. Ah, tu voulais utiliser les deux là pour faire mid-dragon ? Ouais. Ok. Comment tu l'as ? Ok. Et mid-dragon, tu peux pas le target. Donc du coup, t'es obligé de faire effet shuffle le terrain. Et du coup, moi, j'active le terrain. Et du coup, je le fais passer fire. Surtout, Diablo Star passer parce que moi, je négate... Ah, tu fais passer fire avec Mud Dragon. En gros, je vais faire. J'ai cru que c'était une counter, du coup, j'ai dit bah, baiser. L'idée, c'était de faire super poli, utiliser Mud Dragon, il shuffle ça, j'active mon terrain, je le passe fire, effet, je le pète et je repars avec Garunix. Ah ouais.
Bon, il aurait fallu avoir un cerveau, hein, c'est tout. Ou juste voir les cartes. Je rigole. Je rigole, ok. Les gars, on se fait une galette. Allez, la galette. On y va. Bon, bah écoutez, on va se laisser, on va se laisser ici. Est-ce qu'on a un mot pour résumer cet après-midi ou pas? Ou peut-être quelque chose à ajouter avant de donner rendez-vous aux gens demain à Lille? Déjà, comment vous sentez à l'approche du WCQ, mais avec le train qu'on a fait hier aujourd'hui? Du coup, ils sont rassurés quand ils nous ont vu jouer. Ils se sont dit, on va les tomber sur eux, c'est pris. Ils sont là en mode, c'est easy. Easy, on va les fumer. C'est easy. En fait, tu crois que les mecs, ça va être des brutes. Et en fait, tu te rends compte que bah non, qu'il y a aussi des gens comme nous, surtout comme moi, qui sont là en mode deux jours avant. Bah, j'ai pas joué depuis 6 mois. Qu'est-ce que je joue? Oh, je vais jouer Sprite. Hein, elle fait ça. Oh, lui, il fait ça. Oh, lui, je sais plus le jouer. Oh, lui, machin et tout. Et c'est compliqué, c'est ça aussi. Yugi, tu joues pas que contre des bons adversaires, hein, c'est la vie. Et d'où la maxime de Monsieur Samir Bachar, quand t'es dans une mauvaise posture, compte sur ton adversaire pour faire des misplays. Pour faire des misplays et pour gagner, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai, ça existe. Ça va pas vlogger sur place, mais c'est streamé demain sur la chaîne de Konami FR. Faut pas que j'oublie de prendre le trépied, les gars. Le trépied pour Vince, oui. Qui a un problème avec son trépied. Donc voilà. Que vous dire à part merci à vous les gars d'avoir participé à ces petites sessions d'entraînement. Merci à Vin d'avoir participé hier, il y avait Franck aussi. Merci à vous le chat d'avoir participé. J'espère que voilà, ces petites sessions training vous ont plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Yugi IRL et encore moins de compétitif ici, donc franchement voilà, ça fait plaisir. Soyez pas trop dur avec nous si demain vous tombez contre nous. Oubliez pas, surtout contre moi. Oubliez pas que, bah voilà, j'ai pas joué en compétitif. Et aujourd'hui et demain, c'est la première petite brique que je pose pour le CDF. Donc voilà, il reste encore environ 6 mois pour le CDF. Donc bon, il y a encore du temps. Mais c'est clair qu'il faut pas tarder. Et je pense que c'est le bon spot de commencer maintenant. Donc voilà, c'est la première petite briquette. J'espère potentiellement bah, vous voir demain, passer un bon moment et essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Et puis voilà, merci à vous les gars. Et on se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, que ce soit sur la chaîne Replay, si vous avez manqué le training d'hier qui devrait bientôt être upload, ou aller checker la dernière vidéo avec notamment l'ouverture en avant-première de... Maze of Millennia. De Maze. Oh, mais merci, mais QC, mais merci à toi. Allez, des bisous tout le monde et à bientôt. Nous, on va aller se régaler avec une petite galette. Oh ouais. Au revoir.